Takes off her clothes, beg for her body or touch her soul when you're alone, dreaming of her. merci beaucoup vous êtes vraiment géniaux alors entrons dans la deuxième partie du féminin profanateur le néo féminisme et l'agenda épiogénique satanique hier j'ai passé en revue les nombreuses méthodologies que l'agenda du néo féminisme utilise contre les femmes et les hommes pour diviser les sexes les uns contre les autres et inciter à la guerre des sexes pour affaiblir la population entière. J'appelle ces méthodes la guerre contre la déesse, parce qu'elles sont une attaque directe contre le féminin sacré authentique que les femmes et les hommes portent réellement en eux. Cette partie s'appelle donc la suite de la guerre contre la déesse. Ensuite, je présenterai des solutions que je considère comme pouvant être utilisées pour combler le fossé entre les sexes. L'une des prochaines méthodes de manipulation dont je veux parler est le concept de privilège masculin, ce mythe qui est propagé par l'idéologie néo-féministe. Le soi-disant privilège masculin est l'idée néo-féministe selon laquelle les hommes bénéficient d'une manière ou d'une autre d'avantages sociaux distincts par rapport aux femmes, basés principalement sur leur sexe, simplement parce qu'ils sont des hommes. Je ne sais pas combien de personnes dans le public qui regarde sur Internet croient réellement à cette idée. Mais je vais vous dire une chose. Personne ne m'a jamais, jamais donné quelque chose juste parce que je suis un homme. En fait, j'ai remarqué l'exact opposé. Plutôt, en fait, parfois une hostilité ouverte peut être montrée parce que vous êtes un homme masculin dans de nombreux cas. Je n'ai certainement jamais connu ce concept d'être privilégié parce que je suis un homme. En regardant ces quelques photos ici, les femmes qui font cette supposition ne sont manifestement pas trop en phase avec la réalité, de mon point de vue. Si on regarde les pourcentages de certains aspects de la société, vous regardez les morts au combat. 90% des personnes qui subissent la mort au combat sont des hommes alors que seulement 3% sont des femmes. Les décès et les accidents industriels comprennent 93% de décès masculins et seulement 7% de décès féminins. Les victimes d'homicides, 3 quarts à 1 quart, 76% des hommes contre 24% des femmes. Les victimes de suicides, c'est un 80-20 divisé. Dans les batailles de garde après le divorce, en général, le gagnant d'un procès pour la garde est une femme, par une marge de 84% contre 16%. Le monde des affaires est largement dominé par les femmes en ce qui concerne les achats de biens et de services. Nous en avons parlé hier lorsque nous avons évoqué le consumérisme effréné. 80% de la consommation est le fait des femmes dans la société. Les chiffres que j'ai obtenus récemment disent qu'il s'agit plutôt d'une répartition de 85-15. Comme je l'ai dit hier, en politique, 54% des électeurs sont des femmes. 60% des bénéficiaires de l'aide sociale sont des femmes. Les travailleurs des infrastructures, c'est-à-dire les personnes qui construisent réellement toutes les infrastructures et les technologies que nous utilisons quotidiennement, sont à 80% des hommes. 90% des inventeurs et des innovateurs sont des hommes. 65 de la population qui paie des impôts, ce qui devrait être réduit à zéro, bien sûr, mais 65 de ceux qui alimentent actuellement ce système sont des hommes. Donc, vous savez, il est difficile de voir par beaucoup de ces ratios et beaucoup de ces statistiques comment il pourrait y avoir une telle chose connue sous le nom de privilège masculin dans la société. Personnellement, je ne le vois pas comme quelque chose de réel. Je le vois comme un concept inventé pour essayer de creuser un fossé entre les hommes et les femmes dans notre culture. Les femmes et les suiveurs d'ordre. C'est une autre dynamique énorme qui doit être comprise quand il s'agit de l'agenda du néo-féminisme et de l'état conditionné de beaucoup de femmes inauthentiques. La plupart des suiveurs d'ordre sont des hommes. C'est ce dont j'ai parlé l'année dernière à la conférence. Les suiveurs d'ordre et la destruction du féminin sacré en eux. Les hommes qui suivent l'ordre sont les créateurs, les créateurs sur le terrain de ce que j'appelle le nouvel ordre mondial sombre, le système d'asservissement humain, parce que ce sont eux qui font réellement l'action coercitive et le comportement immoral et violent contre d'autres êtres humains. Mais les femmes soutiennent systématiquement les dominateurs et les adeptes de l'ordre tout au long de leur carrière et de leur vie. Combien de femmes soutiennent ces dominateurs et ces suiveurs d'ordre Je veux dire, ils ont des mères qui les soutiennent et disent qu'elles sont fières de leur travail et de leur profession. Ils ont des sœurs, des épouses, des filles, et ces femmes dans leur vie les soutiennent continuellement. Savez-vous combien de leurs épouses, mères, sœurs ou filles continueraient à approuver les comportements de ces hommes qui suivent les ordres si elles ouvraient les yeux sur l'agenda pour lequel elles sont utilisées et qu'elles sont réellement utilisées pour créer le type de système d'esclavage qu'elles sont employées à créer Combien de femmes diraient réellement non, je ne prendrai pas part à ce que vous faites en vous soutenant de quelque manière que ce soit, ou même en ayant une relation avec vous de quelque manière que ce soit. Certains des mêmes ici montrent quels sont les problèmes. Soutenir les troupes, pas toujours logique. Il est difficile de faire comprendre quelque chose à un homme quand son salaire dépend de son incompréhension. Quelle belle citation. Et je dirais qu'il est difficile de faire en sorte qu'une femme cesse de soutenir un homme qui a un comportement immoral lorsque son salaire contribue à son bien-être et à son confort dans sa vie. Vous voyez, c'est ce que les gens doivent être prêts à abandonner, même si cela crée un inconfort temporaire ou un chaos temporaire dans leur vie. Cela demande du courage pour le faire. Encore une fois, je tiens à préciser que nous parlons de la femme inauthentique à travers les âges, la femme contrôlée par l'esprit, la femme fabriquée socialement. La femme inauthentique s'est traditionnellement rangée du côté des conquérants, des dominateurs et des tyrans, à la fois pendant et après les guerres à travers l'histoire. Se ranger du côté du vainqueur ou de celui qui contrôle les ressources a été un modèle historique pour les femmes conditionnées pendant des milliers d'années. Nous voyons ce modèle encore et encore et encore. Les femmes ont été conditionnées pour simplement aller avec le gagnant, avec celui qui contrôle les ressources à un moment donné dans une région géographique donnée. Après la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, lorsque les troupes alliées sont arrivées et ont délogé les nazis, nous avons reçu d'innombrables rapports, selon lesquels les femmes qui étaient avec les nazis un jour couchaient avec les soldats alliés le lendemain, comme si rien ne s'était passé, et ce n'était qu'un remplacement du corps physique masculin qu'elles côtoyaient, parce qu'ils contrôlaient désormais la région et les ressources. Et vous savez, bien sûr, beaucoup d'atrocités se produisent en temps de guerre. Bien sûr, la famine arrivait, et ils ont affamé beaucoup de troupes les troupes nazies après la guerre, après leur capitulation. Et en général, les femmes ne voulaient pas, je suppose, être sujettes à autant de cas et ont juste suivi le côté gagnant. Elles ne sont pas restées loyales envers les vaincus qu'elles avaient soutenus jusqu'à la fin, mais ont immédiatement suivi les conquérants, qui sont les nouveaux vainqueurs. Et encore une fois, je dirais que ce n'est pas une chose normale à faire. Les gens diront que c'est juste une chose normale et naturelle. Non. C'est une chose socialement conditionnée qu'on leur a appris à faire. C'est un comportement appris. L'androgynie est l'une des autres attaques principales du néo-féminisme. C'est une méthodologie pour déstabiliser une population. Une autre tactique du néo-féminisme est l'androgénisation délibérée de la société. L'androgénisation homogénise lentement et érode progressivement. La distinction des deux genres, de l'homme et de la femme. Lorsque les genres et les rôles sexuels sont déformés et mélangés, les hommes forts et les femmes fortes, partageant des liens familiaux cohésifs, deviennent une espèce en voie de disparition. En raison de cette rupture de la dynamique familiale entre les hommes et les femmes, la société s'affaiblit à un niveau très fondamental. Et pourquoi cela D'ailleurs, ce n'est pas une attaque contre les sexualités alternatives. D'accord Je veux que ce soit très clair. Il s'agit d'expliquer que la grande majorité de l'interaction sexuelle humaine se fait entre les hommes et les femmes. Et lorsque vous androgénisez cela, ou que vous érodez progressivement la distinction entre les genres, et que vous brisez ce lien familial qu'ils peuvent créer ensemble, vous affaiblissez une société, parce que vous allez finalement créer non seulement une division entre l'homme et la femme, mais une division entre les parents et les enfants. À la suite de cette rupture, de cette rupture familiale. Et cela se répercute sur la génération suivante, en particulier lorsqu'il s'agit d'une bonne éducation, dans de nombreux cas. Main dans la main avec l'androgénisation, il y a à nouveau la féminisation du sexe masculin. Donc nous voyons le métro sexuel dans la société. Et nous voyons ce qui est maintenant connu comme l'homme bûche. Laissez-moi expliquer l'homme bûche aux gens. L'homme bûche est le type d'homme qui n'a pas vraiment de traits masculins inhérents, mais qui veut les dépeindre quand même, les simuler ou les feindre. Donc il s'habille comme un homme réel ou un homme masculin, comme un homme authentique. C'est une tendance qui circule dans la culture hipster en ce moment, pour les gens qui sont familiers avec ça. Les hommes bûches sont partout dans mon quartier sud de Philadelphie, partout. Ce même dit, je suis si heureux de ne pas avoir à chasser, je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouvent les tacos sans gluten. C'est assez comique, c'est drôle, mais c'est vrai. On voit qu'ils essayent d'être des hommes par procuration, qu'ils ne sont pas la vraie chose. Et encore une fois, je ne dis pas que tout le monde doit être monsieur macho. Ne déformez pas mes mots. Ne le prenez pas à l'extrême pour me faire dire ce que je ne dis pas. La masculinité authentique existe. Et au lieu d'embrasser cela, la plupart des hommes deviennent excessivement féminisés. C'est encore une fois une partie de l'agenda à travers la nourriture, les médicaments, les choses dans l'approvisionnement en eau et dans l'air. Cela réduit le niveau de testostérone chez les hommes. Comme je l'ai dit hier, et créer ce mal féminisé qui essaie de compenser en ayant l'air masculin, même s'il n'a pas ses caractéristiques en lui. Et vous savez, les femmes sont conditionnées pour être attirées par ce type d'homme et également. Certains des autres effets secondaires des choses que propage le néo-féminisme sont les types de répercussions négatives que nous voyons dans des choses comme les médias sociaux. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, etc. Les médias sociaux contribuent à créer une division entre les hommes et les femmes. Les médias sociaux contribuent à créer des divisions entre les hommes et les femmes. On peut voir ce genre d'arguments et de menaces de guerre dans tous les médias sociaux. De nombreuses femmes conditionnées utilisent maintenant les médias sociaux comme un mécanisme pour ce que j'appelle collectionner les hommes. En gros, elles créent des listes d'achats d'hommes pour savoir ce qu'elles peuvent faire pour eux et combien d'attention elles peuvent obtenir d'eux. Souvent, cette forme de femme inauthentique fait en sorte que les femmes considèrent les hommes comme une marchandise sur une liste de courses. Elles le font par le biais des médias sociaux, pour que des choses soient faites pour elles. C'est comme un lieu d'achat, comme si elles entraient dans un magasin. Les sites de médias sociaux ont en outre été utilisés pour détruire les interactions sociales réelles. C'est la principale raison pour laquelle ils sont utilisés dans cet agenda. Les gens ne se rencontrent plus en personne. Ils ne font que parler en ligne. Et ils ne développent pas vraiment de réelles compétences sociales interactives. Ils interagissent juste virtuellement. C'est ce qui est fait pour détruire la véritable interaction sociale entre les gens, en particulier les hommes et les femmes. L'effet secondaire que cela a est d'encourager l'impolitesse entre les gens. Parce que la façon dont les gens se parlent en ligne, ils ne se parleraient jamais comme ça en personne. Ils y réfléchiraient à deux fois, à faire ça physiquement devant une autre personne. Il y a peu d'intérêt, très peu d'intérêt à être gentil avec quelqu'un quand on peut dire n'importe quoi dans le monde virtuel en ligne. Cela fait partie de la façon dont les femmes utilisent les médias sociaux et de certains effets secondaires de ces derniers qui creusent un fossé entre les hommes et les femmes. Les soi-disant milléniaux. La génération du millénaire. La femme du millénaire. Ce sont les enfants de la génération post-baby-boomer qui ont été largement élevés par le système éducatif public, la télévision et la culture pop. Elles ont été conditionnées par ces systèmes à se comporter de manière complaisante, conforme, non questionnée, non réfléchie et narcissique. Elles ont absorbé de grandes quantités de programmes télévisés consomment des aliments empoisonnés et génétiquement modifiés, sont obsédés par des activités d'évasion, ne peuvent avoir que des conversations ineptes, insipides, et expriment un manque extrême de préoccupation ou d'intérêt pour les problèmes du monde réel. Ils sont le rêve absolu des contrôleurs de l'ingénierie sociale. Si je parle de cela, c'est parce que j'ai eu un peu d'interaction avec les femmes du millénaire ces dernières années, et quand je vois des femmes de ce groupe d'âge, je constate qu'elles sont toutes tristement très tristement, presque universellement semblables, dans les modèles de comportement et les tendances qu'elles expriment. En fait, j'ai eu une jeune femme, juste avant l'âge de l'université, peut-être en dernière année de lycée, âgée de 17 ou 18 ans, qui m'a directement dit en face de moi, en personne, je préférerais que quelqu'un d'autre pense pour moi. Elle m'a dit ça en face. c'est comme ça qu'il conditionne la jeune génération c'est ce que le système scolaire fait aux jeunes surtout aux jeunes femmes c'est vu comme pas cool de s'intéresser à quoi que ce soit n'importe quoi de sérieux n'importe quel sujet qui est sérieux la conversation doit être aussi inepte que possible humainement c'est particulièrement parmi ce groupe générationnel il y avait il y a une phrase commune en amérique dans la culture occidentale en particulier disant que l'ignorance est le bonheur j'ai déjà dit que l'ignorance est la mort. Elle mène à notre destruction. Mais dans l'ancienne tradition égyptienne ou la tradition kémitique, il y avait une phrase commune sur l'ignorance, et elle disait ⁇ L'ignorance, c'est le mal. C'est l'essence du mal d'ignorer la vérité, et je ne pourrais pas être plus d'accord avec cette affirmation. La conscience de la soi-disant femme du millénaire a été programmée dès la naissance par l'État, grâce à la complaisance de la génération de leurs parents. Une génération qui a en grande partie renoncé à sa liberté, abandonné la santé et la nutrition pour la commodité, échangé ses valeurs spirituelles et morales pour celles qu'elle a acquises dans les sitcoms télévisés, et confié ses enfants à l'État corporatif où leurs esprits ont été moulés, pour s'illustrer dans les types d'hommes inauthentiques et de femmes inauthentiques dont nous discutons aujourd'hui. Une autre technique qui est employée, en particulier du côté religieux de cet agenda, parce qu'il y a un côté politique à cet agenda, un côté social à cet agenda et un côté religieux à cet agenda. C'est appelé le néo-puritanisme et c'est endémique dans notre société. C'est une attitude. Très, très malsaine envers la sexualité humaine. Cet état d'esprit religieux puritain est lentement réinfusé dans la culture occidentale par le fondamentalisme religieux. Ces courants religieux diabolisent les relations sexuelles consensuelles entre adultes et font la promotion de la notion que la sexualité humaine normale est en quelque sorte un péché ou même un mal. Ils essaient de convaincre les gens que tout le monde dans la culture américaine est obsédé par le sexe, alors qu'en fait, tout ce qui obsède les gens dans la culture américaine, c'est l'idée d'avoir des relations sexuelles, mais pas l'acte lui-même. Cela est dû au niveau de répression sexuelle qui a eu lieu dans notre culture. Toutes les cultures occidentales sont en fait plus réprimées sexuellement aujourd'hui que jamais auparavant dans leur histoire. Et cette dynamique s'aggrave de plus en plus en raison de l'influence croissante de cette nouvelle idéologie puritaine. Cette ingénierie religieuse et culturelle visant à diaboliser une attitude saine envers la sexualité humaine normale, est une ingénierie religieuse et culturelle, visant à diaboliser une attitude saine envers une sexualité humaine normale, et à réduire la population humaine par l'abstinence volontaire. Maintenant, encore une fois, ne déformez pas mes mots et n'en faites pas quelque chose d'extrême que je ne dis pas. Je ne dis pas aux gens de sortir et d'avoir des relations sexuelles débridées, sauvages, avec tout le monde sans distinction. Je dis simplement que l'attitude envers une libido saine et une vie sexuelle saine est constamment réprimée dans notre culture, et c'est une influence religieuse fondamentaliste. Je peux vous raconter une petite anecdote à ce sujet. Il y a quelque temps, je ne me souviens plus où c'était, ni qui me l'a dit, mais je discutais avec une femme, et elle a dit quelque chose du style. Si les femmes avaient une vie sexuelle saine, qui ne soit pas délibérément réprimée par elles, c'est comme si quelqu'un se tenait devant une boulangerie et donnait des gâteaux gratuitement. Alors comment les propriétaires de la boulangerie se sentiraient-ils par rapport à ça Pensez à cette anecdote pendant une minute. Elle a dit que les femmes ayant des relations sexuelles et une vie sexuelle saine est comparable à quelqu'un se tenant devant une boulangerie et donnant des gâteaux gratuits. Maintenant, réfléchissez à quel point... Cette attitude est malsaine par rapport à l'expérience sexuelle humaine normale qui est supposée être un lien avec une autre personne, des émotions partagées avec une autre personne, du contact physique partagé avec une autre personne. Tout ce à quoi elle pensait, c'est qu'il s'agissait d'une sorte d'échange monétaire, ou d'une chose que vous pourriez avoir si honte de faire que c'est comme si vous vous donniez les biens gratuitement au lieu d'obtenir quelque chose en retour, et vous le dévalorisez pour nous tous. Maintenant, c'est plus une motivation financière pour le refus du sexe. Mais cela va de pair avec cette vision du monde néo-puritaine, selon laquelle le sexe devrait être continuellement réfréné. Du genre, le sexe est quelque chose qui ne devrait être fait que pour des choses comme la procréation. Encore une fois, je n'ai pas une vision sexuelle sauvage et radicale, selon laquelle le sexe devrait être pratiqué sans discernement. Il y a évidemment des émotions liées à l'acte. Mais le fait de considérer cela dans le sens biblique total comme quelque chose qui devrait être considéré comme un péché fait définitivement partie de l'agenda néo-féministe et de l'agenda fondamentaliste religieux qui est lié à l'agenda néo-féministe. Tout est en fin de compte là pour le contrôle de la population. Main dans la main avec le néo-puritanisme, le mythe de la hook-up culture ou la culture du coup d'un soir. C'est complètement faux. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part sur la planète. C'est une invention. C'est une idée qui est amenée par ceux contrôlés par la religion, les chrétiens radicaux, les fausses religions chrétiennes. Ils répandent cette notion que la hook-up culture existe et est endémique dans notre société. Et ils prétendent que c'est une atmosphère de promiscuité totale, de baisse d'un soir et de sexe occasionnel qui circule partout dans notre culture, que les Américains sont totalement obsédés par le sexe. Et qu'ils le font au hasard et sans discernement partout. Je ne sais pas combien de personnes ici ont fait l'expérience de ce qu'on appelle la hook-up culture. Si vous avez déjà vécu la hook-up culture, levez la main. Une ou deux personnes, peut-être cinq ou six personnes dans toute la salle. Je dis que c'est une chose tellement limitée qu'elle est pratiquement inexistante. C'est une invention. Ils prennent de petits groupes isolés où une certaine promiscuité pourrait avoir lieu et ils disent que ça se passe partout et que tout le monde le fait et que c'est un problème endémique dans toute la société. En fait, les attitudes à l'égard du sexe sont de plus en plus réprimées jour après jour dans cette culture. Et les gens en font une affaire radicalement plus grosse qu'elle ne l'est. Ils ne considèrent pas le sexe de manière indiscriminée ni de manière frivole. Pas du tout. La hook-up culture est une invention de la religion et de l'ingénierie sociale pour faire croire aux personnes religieuses qu'il existe une culture sauvage et folle du sexe, dont elles sont protégées, ou dont elles doivent être protégées en adhérant à leur idéologie religieuse puritaine. C'est ce que fait réellement l'agenda. Et encore une fois, tout cela a pour but d'amener les gens à penser à l'activité sexuelle normale d'une manière complètement malsaine et réprimée. Ainsi, ce qui se passe en fin de compte, c'est que vous vous retrouvez avec une réduction de la population menée volontairement par la population, que le programme eugénique a amené à se trier d'elle-même. L'erreur de la hookup culture va de pair avec l'erreur de la culture du viol. La soi-disant culture du viol est également une invention de la propagande et n'existe pas réellement. Cela ne veut pas dire que le viol n'existe pas, ou qu'il ne s'agit pas d'un crime extrêmement cruel et d'un problème général dans la société humaine. Ne sortez pas mes mots de leur contexte et ne les déformez pas. Mais l'affirmation selon laquelle il existe une culture du viol formellement justifiée, soutenue par notre société, est manifestement absurde. S'il y a une acceptation institutionnalisée du viol dans la culture humaine, c'est dans le système carcéral, où ont lieu le plus grand nombre de viols en Amérique. Et ces viols sont commis sur des hommes, pas sur des femmes. C'est dans le système carcéral des États-Unis que le plus grand nombre de viols a lieu quotidiennement dans le monde. Le mythe de la culture du viol est finalement propagé par les ingénieurs sociaux pour nous maintenir dans une peur constante les uns des autres. Maintenant, encore une fois, vous savez, vous pouvez réagir viscéralement si vous voulez. Y a-t-il des viols Oui, bien sûr. C'est un crime qui a lieu tous les jours. On ne parle pas de viol. Regardez les mots sur l'écran. Culture du viol. La question est de savoir s'il existe une culture. Une culture du viol sanctionnée en Amérique ou dans n'importe quel autre pays dans le monde. Dans certains régimes du Moyen-Orient, oui, il peut y en avoir. Dans certains régimes islamistes radicaux, le viol peut être officiellement sanctionné religieusement par la loi. Mais je parle de l'Occident, de la culture occidentale. Il n'y a pas de culture du viol. La culture du viol en Occident est un mythe. C'est une illusion propagée par les néo-féministes. C'est fait pour propager la peur. Il s'agit de la peur de l'interaction sexuelle humaine normale. C'est le thème de cette section. Propager la peur de l'activité sexuelle normale. Vous mettez les gens dans la peur, ils commencent à moins procréer, la population est réduite, vous voyez moins de traits que vous ne voulez pas voir dans la culture. Cela est fait pour que nous ayons constamment peur les uns des autres. Cela creuse le fossé entre les sexes. Par exemple, la phrase que l'on entend chez beaucoup de néo-féministes Chaque homme est un violeur potentiel. Je veux dire, c'est la chose la plus ridicule et insensée que j'ai jamais entendue de ma vie. C'est de la haine de l'homme. Et c'est de la misandrie flagrante. Une haine de l'homme flagrante. Et tout ce que ça fait, c'est isoler encore plus les genres. Créer une nouvelle division dans la guerre des sexes. On voit ici un dont vous pouvez vous offenser comme vous le souhaitez. Je sais que Bob Tuckson va adorer cette partie de la présentation. Le canular du sida. C'est une autre chose. Le sida n'existe pas, mesdames et messieurs. Le sida n'existe pas. Le SIDA est une maladie qui est causée par le mode de vie et la malnutrition. Le VIH ne cause pas le SIDA. Il n'y a pas de test VIH. Il y a simplement un test d'anticorps pour le VIH, dont plus de 60 maladies différentes indépendantes peuvent causer un résultat positif sur un test VIH. Luc Montagnier, le co-découvreur du VIH avec Robert Gallo, a déclaré publiquement que lui-même ne croit plus que le VIH cause le sida, et que le sida peut être guéri par la nutrition. Le sida a été utilisé comme tactique d'épouvante pour l'eugénisme. Encore une fois, c'est la peur. Faire en sorte que les gens aient peur d'une interaction sexuelle normale. C'est ce qui domine la mentalité de la culture occidentale en matière d'interaction sexuelle. La peur, la peur, la peur, et encore la peur. Le canular du sida était une tactique d'épouvante épi-eugénique pour que les gens aient peur d'avoir des rapports sexuels. Parce que c'est une maladie sexuellement transmissible dont on peut réellement mourir. Je n'ai jamais rencontré un individu dans ma vie avec le soi-disant sida. Pas un. Zéro. En fait, je n'ai jamais rencontré une personne qui connaisse une personne atteinte du sida. Et aujourd'hui, vous pourriez me dire que vous connaissez quelqu'un qui l'a eu. Mais c'est une maladie qui est provoquée par des problèmes de style de vie et de nutrition. C'est ce qui fait que le corps entre dans une réponse auto-immune et s'attaque lui-même. Ce n'est pas causé par le VIH. Les gens doivent se mettre ça dans la tête et commencer à comprendre que le VIH n'est pas la cause du sida. Et ce n'est pas vraiment, entre guillemets, une maladie sexuellement transmissible. Merci. Je savais que tu aimerais ça, Bob. Il fallait que je le dise. L'abstinence ralentit toujours une population. Elle ralentit toujours les taux de population, pour les eugénistes qui cherchent à garder la population petite et gérable. Donc vous voulez encourager l'abstinence autant que possible. Vous voulez avoir une atmosphère de peur concernant la sexualité et propager cette peur autant que possible. Vous voulez propager ce dont nous avons parlé hier, le slot shaming. Vous voulez propager une vision puritaine du sexe. Une dont vous ne voulez pas, ce sont des attitudes normales sur la sexualité humaine. Et des liens familiaux normaux entre des hommes forts et des femmes fortes. Vous ne voulez pas ça. Ils ne veulent pas de ça. Parce que c'est ce qui rend une population forte, qui pense indépendamment, et qui est orientée vers la liberté dans leur état d'esprit. Vous ne voulez pas de ça si vous êtes un ingénieur social eugéniste qui veut l'esclavage. Vous voulez élever votre bétail de la façon dont vous voulez qu'il soit élevé. Et voici les phases de test. Voici le terrain d'essai pour ces agriculteurs. Le terrain d'essai pour les fermiers humains et la nation du Japon. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce qu'ils font là-bas est commun ici. C'est déjà bien avancé ici. Ils ont déjà refroidi la population japonaise. On pourrait parler de Fukushima qui fait ça encore plus, et des ravages que ça va faire sur la reproduction sexuelle au Japon. Et ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Ce qui se passe dans la conscience se reflète à grande échelle quand il s'agit de destructions cataclysmiques dans les vies humaines et dans l'environnement aussi, parce que la conscience est directement liée à ces éventualités. La crise de l'intimité au Japon, si vous n'en avez pas entendu parler, je vous suggère de vous connecter et de faire des recherches immédiatement. Le Japon connaît ce que l'on appelle, dans ses propres médias, dans leurs propres médias grand public, ils ont dû le reconnaître parce que le problème est aussi grave qu'une crise épidémique de l'intimité. Et le Japon a le taux de déclin démographique le plus rapide du monde entier. Près de la moitié de la population japonaise affirme qu'elle n'est plus intéressée par aucune sorte d'intimité sexuelle. Laissez-moi juste répéter, la moitié de la population des êtres humains qui vivent dans la nation du Japon disent qu'ils ne sont plus du tout intéressés par une quelconque interaction sexuelle humaine. C'est ce que les ingénieurs sociaux ont accompli. Ce sont des technosorciers, mesdames et messieurs. C'est ce que sont ces ingénieurs sociaux. Ce sont des technosorciers. Je veux revenir sur ce point après avoir fini de lire les statistiques sur la diapositive, parce que je veux faire une remarque sur ce qui se passe réellement au Japon et qui commence à se passer ici. Cela se produit à cause de la destruction des pulsions sexuelles des deux sexes en raison d'un taux de testostérone extrêmement bas. J'ai parlé hier de l'importance de la testostérone pour une vitalité, une force et une sexualité humaine normale. Le Japon n'est que le terrain d'essai des ingénieurs sociaux pour leur programme de dépopulation. La crise de l'intimité américaine a déjà commencé. Elle est déjà bien entamée, les amis. C'est juste un non-dit. Peu de gens auront le courage, comme moi, de se lever ici et de parler de ces questions, parce qu'ils ne veulent pas être aliénés par d'autres personnes, parce qu'ils ont peur de ce qu'elles pensent. Je me fiche de ce que vous pensez de moi. Je vous dis ce qui se passe. Et ce que je sais c'est que c'est directement dirigé par les gens avec qui je travaillais et pour qui je travaillais. Je vous le dis, ils m'ont dit qu'ils menaient ces agendas eugéniques. Et je n'ai pas cru ce qui sortait de leur bouche. Mais je n'en ris plus maintenant. Je ne dis plus ⁇ Oh non, vous ne pouvez pas faire ça à toute la population, vous n'êtes pas si puissant. ⁇ Ils y arrivent. Et ces statistiques vont le prouver. La crise de l'intimité des Américains est en train de se produire et notre population commence à s'effondrer, tout comme celle du Japon, mais sans qu'on en parle. Et ça ne fera pas la une des journaux, parce qu'ils ne vous diront pas ce que je vous dis. Voici les statistiques de la crise de l'intimité au Japon. La moitié de la population âgée de 16 à 49 ans n'a pas eu de rapport sexuel au cours du dernier mois. 27, près de 30% des hommes, presque un homme sur trois, a déclaré ne plus être intéressé par le sexe, plus jamais. Près d'un quart des femmes interrogées ne sont plus intéressées par le sexe, plus jamais. Un quart, une femme sur quatre, pas d'intérêt dans l'activité sexuelle. 61% des hommes âgés de 18 à 34 ans n'ont aucune relation, aucune relation amoureuse avec quelqu'un d'un des deux sexes. La moitié des femmes âgées de 18 à 34 ans n'ont aucune relation amoureuse avec aucun des deux sexes. 36% des hommes de cette même tranche d'âge, de 18 à 34 ans, sont encore vierges, n'ont jamais eu de relations sexuelles. 39%, presque 40% des femmes âgées de 18 à 34 ans au Japon sont encore vierges, n'ont jamais eu de relations sexuelles. Regardez toutes ces statistiques ensemble. Et si vous me dites que c'est une tendance naturelle, vous avez perdu la tête. Si vous me dites que ce n'est pas une maladie psychologique, vous avez perdu la tête. Si vous me dites que ce n'est pas une maladie psychologique, vous avez perdu la tête. Si vous me dites que ce n'est pas, si pas de l'ingénierie sociale, vous avez perdu la tête. C'est de l'élevage humain, de l'agriculture humaine. Voilà ce que c'est. Soyez aussi offensés que vous voulez. C'est ce qui se passe. Les gens devraient être enragés par quelque chose comme ça, sur leur capacité à produire de tels chiffres en ce qui concerne la population humaine. Vous devriez être enragés par ça, parce que c'est ce qui arrive ici et maintenant. La montée de la sexualité. Les personnes asexuelles sont des personnes qui n'éprouvent aucune attirance sexuelle pour quelqu'un d'autre. L'asexualité est caractérisée par un désintérêt total pour tout comportement sexuel. Et c'est ce que les fermiers humains reproduisent au Japon et vont commencer à reproduire ici, aux États-Unis. Ils ont déjà bien commencé. Contrairement à l'affirmation selon laquelle l'asexualité n'est pas un trouble physique ou psychologique, c'est précisément ce qu'elle est. Ce n'est pas une chose qui se produit naturellement dans le génome humain ou dans la population humaine. C'est quelque chose qui est provoqué par des niveaux de testostérone absolument démolis dans les deux sexes. Et c'est le résultat d'une ingénierie sociale de contrôle mental concernant les attitudes sur la sexualité humaine. Combien de personnes ont déjà fait des recherches sur les personnes qui pensent que leurs membres ne leur appartiennent pas et veulent enlever leurs membres c'est l'une des choses les plus dérangeantes sur laquelle vous pourrez faire des recherches, comme le syndrome du membre fantôme ou quelque chose comme ça. Et je ne parle pas des personnes amputées de leurs membres et qui pensent qu'ils sont toujours là. Il y a des gens qui pensent que leurs bras ne leur appartient pas, que leurs jambes ne leur appartiennent pas, qu'ils doivent s'en débarrasser pour se sentir bien dans leur peau. C'est un problème, c'est un problème psychologique qui se passe dans le cerveau. C'est un profond déséquilibre de l'être dans leur constitution psychologique. Ce n'est pas une chose normale. C'est une maladie psychologique. C'est un trouble. Je ne dis pas qu'ils commettent des violences ou quoi que ce soit d'autre contre qui que ce soit, ou qu'ils devraient être discriminés. Mais n'essayez pas de me dire que ce n'est pas un trouble. C'est une maladie. Ce n'est pas normal. Considérez cela comme normal. C'est comme si vous regardiez quelqu'un qui est atteint d'un cancer profond et que vous lui disiez qu'il était normal et qu'il n'est pas malade. C'est une maladie, les amis. Appelons-la par son nom. Et c'est un exemple de ce que l'ingénierie sociale et les faibles niveaux de testostérone chez les hommes et les femmes vont donner. Et ça augmente de jour en jour. La sexode. C'est un terme utilisé pour décrire un mouvement dans lequel les hommes, principalement les jeunes hommes, qui ont reconnu l'excès omniprésent du comportement inacceptable de la femme conditionnée, entre guillemets, abandonnent complètement les femmes et ne poursuivent plus aucun type de relation avec elles, romantique ou autre. Je vois la, entre guillemets, sexode comme une réaction palliative, et un mécanisme de défense à court terme, utilisé par les hommes qui réalisent qu'il y a un problème profond entre les sexes. Mais ils ne reconnaissent les symptômes de cette guerre des sexes qu'à un niveau superficiel. Ils réagissent donc aux symptômes. Ils n'ont pas encore pénétré les facteurs de causalité qui sous-tendent la condition, qui est, bien sûr, de l'ingénierie sociale rampante, qui est utilisée par la classe dirigeante. Presque toujours, quand je cherche sur les forums MRA ou sur les forums MGTOW, dont je vais un peu parler plus tard, quand je cherche le terme « sexiste » et que je regarde ce que les gens, en particulier des hommes, disent à ce sujet, presque aucun, presque aucun de ces gens n'a jamais mentionné le terme « ingénierie sociale » ou « contrôle mental ». Presque aucun. On en parle à peine, voire jamais. Parce que ces gens ne savent pas qu'une classe de prêtres obscurs, qui détient une connaissance froide de la psyché humaine, est en train de faire des ravages sur la population humaine qui ne sait rien d'elle-même. Et c'est un jeu d'enfant pour eux. C'est un peu comme un maître d'échecs jouant contre un novice absolu qui n'a jamais regardé un échiquier. Et ils vont se faire botter le cul durement, parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour combattre les psychopathes qui, eux, les ont. Le terrain de jeu n'est même pas proche d'être nivelé. Il est complètement faussé et déséquilibré, et les gens n'essaient même pas de parcourir le chemin de la connaissance d'eux-mêmes pour combattre ces monstres de contrôle absolu qui font ça. Et ils me l'ont dit qu'ils le faisaient, à un tel point que j'avais envie de tuer les personnes dans la pièce qui me le disaient en face. C'est à ce point que j'étais en colère et je savais que si je leur faisais quelque chose de physique, je serais tué. Je devais donc me taire et écouter ce qu'ils disaient sur ce qu'ils faisaient à la population humaine. La chute des taux de natalité dans tous les pays occidentaux les naissances humaines doivent être maintenues à un taux de remplacement de 2,1 pour qu'une population reste stable. Le taux de natalité aux États-Unis est actuellement de 1,86 Je sais que la plupart des gens ne comprennent même pas ce que ces chiffres signifient, parce qu'il y aurait eu un énorme soupir si vous compreniez à quel point ce chiffre est bas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est même pas proche de celui du Japon. Je n'ai même pas les statistiques sous la main pour le moment, mais c'est loin d'être 1,8. C'est de l'eugénisme, une loi claire et simple. C'est clair comme de l'eau de roche dans mon esprit, parce que je sais ce que ces chiffres signifient. C'est à 1,86 et ça chute rapidement. Et les gens pensent qu'il y a une surpopulation. Non, les êtres humains sont entassés comme des animaux dans des fermes appelées villes. C'est la raison. Il n'y a pas de surpopulation sur cette planète. Le taux a été en déclin. Le taux de natalité aux États-Unis a été en déclin année après année, non seulement aux États-Unis, mais dans chaque pays occidental industrialisé, en raison du succès de l'agenda épi-eugénique. Je prédis que les taux de natalité vont continuer à baisser année après année, et le taux auquel ils vont baisser va continuer à s'accélérer, parce que ce que font ces éleveurs, c'est qu'ils trient et éliminent le troupeau pour le rendre plus facile à contrôler. Regardez ces chiffres. 1909, 127 naissances pour 1000 femmes. 1960, 118. En 2007, ils l'ont réduit de moitié. En moins de 100 ans. En un siècle, ils ont réduit le taux de natalité de moitié. Il faudra encore quatre générations pour que la population de chaque culture occidentale soit un quart de ce qu'elle est maintenant. Vous voulez voir le système de contrôle décoller et devenir complètement fou Vous allez voir ce qui se passe quand ils peuvent plus facilement contrôler moins de gens. C'est actuellement à environ 63 naissances pour 1000 femmes et cela décline rapidement. L'une des plus grandes parties du programme du néo-féminisme est la misandrie, la haine ouverte des hommes. La montée accélérée du néo-féminisme radical s'accompagne d'une misandrie ouverte. L'affichage manifeste de haine et de mépris envers les hommes sur la seule base de leur sexe. La misandrie est une forme flagrante de préjugé et de discrimination injustifiée qui, malheureusement, gagne chaque jour en importance dans la société. Les hommes sont constamment dépeints comme des idiots maladroits dans les médias et à la télévision. De plus en plus de féministes adoptent des positions radicales et militantes lorsqu'il s'agit de traiter avec le sexe opposé, allant même jusqu'à attaquer les enfants avec haine et amertume. Regardez cette image qui a été mise sur un forum féministe, toutes les choses qu'elles ont écrites sur ce bébé et qu'elles ont ensuite photographiées. Voleur, pyromane, fugueur, imprudents, violents, émeutiers, criminels, batteurs de femmes, détestés, banque de sperme, dispensables, voyous, alcooliques, gangsters, violeurs, distributeurs de billets. C'est une blague Écrire ça sur un enfant Et ce n'est pas un problème de société Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai directement fait l'expérience de la misandrie dans ma propre vie. La façon dont j'ai été discriminé n'a pas été raciale. Beaucoup de personnes sont victimes de racisme. Je peux vous raconter des anecdotes sur la façon dont j'ai été accusé d'être raciste par quelqu'un qui était loin de comprendre les symboles que j'avais sur moi. Je peux parler de cette anecdote plus tard. Mais j'ai fait l'expérience de la partialité et des préjugés les plus absolus à mon égard parce que je suis un homme tout au long de ma vie. Et particulièrement récemment, parce que cet agenda bat son plein. Lorsque j'interagis dans la société, lorsque je sors socialement avec des gens, je n'initie aucune force ou agression contre quelqu'un d'autre. Je suis le gars le plus calme et le plus pacifique que vous puissiez rencontrer. Quand je suis ici et que je parle de ces questions, elles m'animent profondément, parce que j'ai la passion de parler de la société de mort et d'esclavage qui dirige l'humanité. Peut-être que c'est quelque chose qui devrait nous bouleverser un peu plus. Mais quand j'interagis avec les gens, j'interagis selon le principe de non-agression. Je ne suis pas agressif envers qui que ce soit. Et pourtant, cela revient continuellement. Quand j'interagis avec beaucoup de gens dans la société ou même quand j'essaie de ne pas interagir avec les gens, et je vois constamment que pour une raison quelconque, la haine ou l'agression vient toujours des femmes. Je ne comprends pas cela. Personnellement, je ne comprends pas. La seule chose que je peux conclure est que c'est cette montée de la misandrie dans la société parce que je ressemble à un homme masculin et que cet air de masculinité est perçue comme une menace. Alors que je ne fais rien de menaçant d'un point de vue comportemental, je suis sûr que d'autres hommes dans cette pièce ont vécu la même chose. Je constate donc ça personnellement. Ce n'est pas quelque chose que je recherche et que je jette là de manière conceptuelle. J'en ai fait l'expérience dans ma vie. Je vous le dis, c'est réel, c'est en cours, de plus en plus de gens le voient. Une autre chose que le néo-féminisme postule est cette notion appelée masculinité toxique. Elle cherche à anormaliser et à diaboliser les traits et les comportements naturellement masculins. Cette tactique de manipulation cherche à assimiler des choses comme la possession d'armes à feu au fait d'être violent. Ce sont des outils de violent et non de légitime défense. Ou assimiler un intérêt sain et normal pour l'activité sexuelle à l'agressivité sexuelle. Vous savez, ça tourne autour de toutes ces histoires de drague de rue qui sont devenues virales sur Internet. Vous savez, les hommes disant bonjour à une femme qui marche dans la rue. Oh, c'est un abus total et une violation complète de ses droits de marcher dans la rue, alors que les hommes ne faisaient que la saluer et la complimenter. Débouillée de tous ces euphémismes, cette notion de masculinité toxique est juste un moyen pour les néo-féministes de dire, entre guillemets, qu'être un homme est une mauvaise chose. C'est tout ce que c'est. Vous devriez arrêter de l'édulcorer, aller droit au but, commencer à l'appeler par son nom. C'est juste une façon pour elle de dire qu'être un homme est mauvais. C'est tout. Regardez cette image dans le coin inférieur droit de cette diapositive. Regardez comment un homme ayant des relations sexuelles avec une femme est dépeint comme un démon. Un démon. C'était sur un blog féministe que j'ai visité. Vous comprenez Imaginez juste dire que les hommes sont des démons parce qu'ils trouvent les femmes attirantes, alors que c'est un trait masculin tout à fait normal. Ce sont les notions qui sont propagées sur la sexualité humaine normale dans notre culture. C'est un problème très réel et croissant. Et nous ferions mieux de commencer à le traiter maintenant. Parce que ça empire. Ça ne s'améliore pas. Quelques anecdotes. Les choses que les néo-féministes accusent les hommes de faire. Le man-spreading. Combien de personnes ont entendu parler du man-spreading Beaucoup moins que ce que j'aurais pensé. Je vais devoir expliquer ce que c'est à la majorité des gens. Le man-spreading et ce terme que les néo féministes ont inventé pour désigner les hommes qui s'assoient sur une chaise avec les jambes écartées, les cuisses écartées, parce qu'il se trouve qu'ils ont quelque chose appelé testicules. enfin, certains d'entre eux en ont. dans le métro, il y a des panneaux dans le métro de new york. les gars, arrêtez de vous étaler. c'est un problème d'espace. Ils peuvent donner des contraventions pour ça à New York. Les flics peuvent donner des contraventions. Qu'est-ce qu'ils ont Une règle Ils se promènent avec un mètre ruban 51 cm, monsieur, c'est du manspreading. Nous allons devoir vous mettre un PV. Vous vous moquez complètement de moi la première fois que j'ai entendu ce terme, Barb me l'a dit. Elle m'a dit Regarde les autocollants qu'ils mettent dans le métro de New York. Je la regarde et je lis Stop man spreading. Et il y a un mec avec les jambes écartées. Je me suis dit Ah, c'est plutôt une bonne blague. Et elle m'a dit Non, non, ce n'est pas une blague. C'est pour de vrai. J'étais là Attends, quoi Sérieusement C'est vrai Ils ne sont pas en train de plaisanter Non. Ils vont commencer à mettre des contraventions. Ils ont commencé à mettre des contraventions. Tout ça est pour mettre en avant la notion que les hommes oppressent les femmes. Les hommes sont inconscients. C'est mauvais d'être un homme. Ils ont des attitudes inconsidérées. Ils ont des attitudes agressives. Ça n'a rien à voir avec l'anatomie humaine. D'accord Je vais vous raconter une anecdote. Je fais partie d'un groupe appelé The Founders. Vous m'avez peut-être vu porter le t-shirt tout à l'heure du punk hardcore de la vieille école. Je suis allé avec quelques membres, en fait deux guitaristes de mon groupe, DJ et Mike, voir un autre groupe jouer dans un club de rock local à Philadelphie. Et le spectacle s'est terminé assez tôt. On était assis là. On a pris quelques bières. Il y a une table de billard dans ce club près de la sortie du bâtiment. On était assis sur le bord. Comme appuyé sur le bord de la table de billard. Personne ne bloquait les sorties. On n'est pas le genre de gars costaud qui va aller créer des problèmes avec des gens au hasard. Vous savez, on fait notre vie. On était assis là à discuter de la musique et des choses qui se passent dans le monde, pendant qu'on buvait une bière. Il y avait probablement 100 personnes dans l'endroit, et l'endroit a commencé à se vider. Nous étions donc vers la sortie. On était juste assis là. Je dirais que plus de 70, au moins 50 à 75 personnes sont passées devant nous et sont sorties par la sortie. Une femme se dirige vers la sortie et tombe sur mon guitariste, Mike, qui, vous savez, la plupart des gens ne le connaissent pas. Vous avez peut-être vu des photos de lui en ligne sur notre page Facebook pour les fondateurs. Mike est probablement l'un des gars les plus minces que je connaisse. Il est solide, mais il est mince. Il a une corpulence fine. Il ne pèse pas grand-chose. Il ne prend pas beaucoup de place, disons-le comme ça. Ce type ne bloquait le chemin de personne, loin de là. Et alors qu'elle lui donne un coup d'épaule et le fait presque renverser sa bière, elle dit Tu prends toute la place, mec D'un ton très nasillard et hostile, comme s'il essayait de lui barrer la route vers la sortie, alors qu'il n'était même pas près de qui que ce soit dans l'allée. Ici, il y avait le billard, et ici le chemin pour aller à la sortie. Son coude aurait pu être un peu sorti, comme ça, pendant qu'il sirotait sa bière. Donc, elle a essayé de dévier de son chemin pour inciter à l'hostilité. Clairement, une de ces néo-féministes. Pas une féministe classique qui est sur l'égalité totale entre les sexes dans les droits naturels. Ne pas mettre un sexe au-dessus de l'autre. Personne ne doit avoir le contrôle sur quelqu'un d'autre. Mais le néo-féminisme consiste à essayer d'invoquer une hostilité ouverte et une guerre des sexes entre les hommes et les femmes. Et il a répondu de sa propre manière hostile, ce à quoi je n'ai pas trouvé grand-chose à redire, parce que si quelqu'un veut déclencher l'agression et l'amertume avec quelqu'un alors qu'il n'y en avait pas, je n'ai aucun problème à ce que quelqu'un se lève devant une autre personne et lui dise que c'est un comportement inacceptable. Rien à redire. Il m'a fallu une minute pour comprendre ce qui venait de se passer. Je n'arrivais pas à y croire. Vous savez, je me disais, oh mon Dieu, j'ai vraiment entendu quelqu'un utiliser le terme manspreading. J'ai dû me le répéter trois fois dans ma tête. Qu'est-ce que je viens d'entendre Et c'était encore plus absurde, parce que c'était Mike, et c'est impossible qu'il ait pu faire ça. C'est en lien avec la diapositive suivante, c'est pourquoi je raconte ça. Quand il a élevé la voix envers elle, un autre gars à proximité s'est immédiatement levé, comme s'il allait, vous savez, venir secourir la demoiselle en détresse, à son aide. Parce que, oh, ce gars a élevé la voix envers une femme. Comment ose-t-il dire quoi que ce soit sur un ton élevé à une femme Et c'est ce qu'on appelle le chevalier blanc, dont nous allons parler sur la diapositive suivante. Et c'est là que je me suis levé et que j'ai lancé un regard au chevalier blanc. Reste en dehors de ça. Je n'ai même pas dit les mots. Je l'ai juste regardé dans les yeux en disant Reste en dehors de ça. Et c'était tout. Et il est resté en dehors de ça et les a laissés gérer ça entre eux parce que je n'ai aucun problème à ce que quelqu'un intervienne et défende quelqu'un s'ils sont vraiment dans leur droit pas de problème ça s'appelle la justice je n'ai aucun problème avec ça mais ne prétendez pas régler son compte au grand méchant en défendant quelqu'un qui est clairement dans l'erreur à ce moment-là j'ai un gros problème avec ça et je suppose que mes yeux lui ont communiqué ça facilement l'autre sujet est le man celui-ci m'est arrivé directement à cinq occasions différentes. J'en ai fait l'expérience dans les rues du sud de Philadelphie, jusqu'à aujourd'hui, cinq fois. Combien de personnes savent ce qu'est le man Wow, seulement deux personnes dans toute la salle. Ok, je dois l'expliquer. Les néo-féministes postulent cette notion que les hommes ne prennent pas du tout en considération le chemin des femmes lorsqu'elles marchent dans la rue. Et elles pensent que nous allons juste continuer à marcher, et continuer à marcher, et continuer à marcher, continuer à marcher sans tenir compte de l'endroit où une femme se trouve, et lui rentrer dedans à chaque fois que l'occasion se présente. Je ne sais pas pour vous, mais je ne pense pas que quiconque dans cette pièce marche délibérément dans la rue, en essayant de faire des choses comme ça. Surtout pas les hommes. Je suis excessivement prévenant avec le chemin des gens pour voir où ils vont marcher et j'essaye de le projeter pour éviter une collision, surtout dans les rues du sud de Philadelphie, qui peuvent être plus étroites à certains endroits et plus fréquentées à d'autres. Au cours des trois derniers mois, je dirais cinq femmes ont marché et écoutez, je pense que mes perceptions sont assez bonnes. Je pense que je fais assez bien attention à mon environnement et je ne pense pas que j'invente les choses qui se passent. Les premières fois, j'ai pensé que c'était peut-être le cas. Genre, est-ce que j'imagine ça? Est-ce que ça arrive vraiment? Parce que ce qu'elle faisait, c'était presque faire une joute avec les hommes et essayer de faire en sorte qu'un homme se déplace délibérément pour éviter une collision. Parce qu'elles ne vont pas céder et foncer sur un homme pour le percuter aussi fort que possible. Je ne comprends même pas pourquoi on voudrait faire ça à un autre être humain ou à soi-même. Mais encore une fois, c'est un égo complètement hors de contrôle. C'est de ça qu'il s'agit. Pour quelle raison Essayer de prouver quelque chose Que devons-nous faire maintenant S'incliner en passant Devrais-je faire une révérence Porter une jupe et faire une révérence en passant On ne peut plus marcher sur le côté droit comme la circulation sur la route ou l'autoroute, et se croiser poliment et cordialement Non. Apparemment, on ne peut pas à cause de cette guerre des sexes. C'est arrivé deux fois. Je me disais, bon, c'est peut-être mon imagination. Et puis non, après que ce soit arrivé une troisième et une quatrième et une cinquième fois, je me suis dit que c'était une chose délibérée. Elles ont clairement cette idée en tête, que je vais faire ça. Et c'est toujours des jeunes femmes. Ce sont toujours des femmes de 20 ans, 21 ans, en âge d'aller à l'université, qui sortent directement des écoles sociales marxistes, communistes, dirigées par des communistes, dont nous allons parler, et dont le programme est un programme communiste, en plus d'être un programme sataniste. Ils sont main dans la main, les amis. Au fait, ils ont le même jour férié, vous savez, le 1er mai, la nuit de Valpurgis. Ce n'est pas un accident. Vous pensez que le 1er mai est le jour férié du communisme et du satanisme par accident Ouais, continuez de croire ça. Donc, le man c'est marcher délibérément sur un homme pour prouver qu'il ne bougera pas pour vous. Cela m'est arrivé cinq fois et il y a eu une sixième tentative. Je présente une certaine solidité. Je ne suis pas le gars le plus grand du monde, je ne suis pas le plus fort du monde, mais j'ai un centre de gravité bas. Demandez à mon instructeur d'arts martiaux si je suis solide. Tout ce que j'ai fait, c'est déplacer mon poids un tout petit peu et je suis resté ferme. Cette personne ne fera pas de manslaming contre quelqu'un d'autre parce qu'elle a rebondi sur moi comme une balle en caoutchouc. Tout ce que j'ai fait, c'est rester où j'étais. Je n'ai pas essayé de déplacer mon épaule. Je n'ai pas levé un bras. Je lui ai juste montré que si elle voulait jouer à ce jeu, nous allons y jouer, mais qu'elle allait perdre. Mais j'allais jouer. On verra où va ton ego si tu tombes dans la rue. C'est un jeu risqué. Tu tombes sur du béton, tu te cognes la tête, des trucs dangereux peuvent en résulter. Le fait même de faire ce genre d'agression juste pour prouver qu'on a raison est une idée vraiment stupide. J'ai juste tenu bon cette fois-ci, et quand elle a rebondi, j'ai juste dit Oh, je suis désolé. Et j'ai continué mon chemin. Du style Oh, c'était clairement un accident, non Alors que nous savions tous les deux que ce n'était pas un accident. Les chevaliers blancs. Voici les hommes qui viennent à l'aide de la demoiselle en détresse, peu importe si elle a raison ou tort. Comme je l'ai dit, il n'y a aucun problème à venir en aide à quelqu'un qui est clairement dans son droit et qui est vraiment oppressé ou victime. Pas de problème. Mais ne venez pas en aide à quelqu'un juste parce qu'il est une femme ou un homme ou n'importe qui ou riche ou autre. Juste parce que vous pensez qu'ils sont en quelque sorte opprimés alors que cette oppression est en fait imaginée. C'est ce que font les chevaliers blancs. Ils se jettent dans la bataille pour que les femmes se sentent en sécurité face à des menaces réelles ou imaginaires. Très bien. C'est une façon d'essayer de s'attirer les faveurs des femmes. Cela se fait socialement dans les conversations et sur les blogs en ligne et les médias sociaux et tout ce qui s'y rapporte. N'importe qui dit quelque chose qui va légèrement à l'encontre de tout ça, et même s'ils ne sont même pas impliqués dans la dispute ou quoi que ce soit, ils veulent immédiatement prendre la défense de la femme comme si d'une certaine façon, ils allaient obtenir, vous savez, toutes sortes de faveurs qui leur sont prodiguées parce qu'ils sont venus en aide à la demoiselle en détresse. Et vous voyez des hommes rejoindre le mouvement néo-féministe en nombre croissant. Ils ne comprennent même pas la distinction entre le féminisme classique et la forme néo-féministe du féminisme. Ils veulent juste l'approbation des femmes qui sont dans ce mouvement pour être considérés comme cool par elles et être considérés comme étant de leur côté. C'est tout. La raison pour laquelle ils font cela est en partie due à l'ostracisme social qui a lieu dans notre culture. La plupart des hommes, entre guillemets, refuseront de tenir tête aux femmes conditionnées et de les confronter à la fois aux erreurs qu'elles ont été conditionnées à accepter et à leur comportement inacceptable associé. Ils font cela parce qu'ils ne veulent pas être socialement et sexuellement ostracisés par les femmes, car c'est une autre partie du programme néo-féministe. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma cause, ou si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue sur une question sociale ou politique donnée, eh bien, je ne veux pas être autour de vous. Vous êtes ostracisé. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Je ne vais certainement pas avoir d'interaction avec toi sur une base amicale, et certainement pas sur une base romantique. Donc cela est fait pour isoler les gens et les marginaliser. Adolf Hitler dans son livre Mein Kampf, a dit, je cite, Nous devrions permettre et encourager les femmes à agir d'une manière aussi stupide qu'imaginable, et ensuite dénoncer les hommes comme, entre guillemets, pédés et, entre guillemets, misogynes, s'ils osent critiquer la stupidité de la femme. Voilà à quoi sert l'ostracisme social. Peu importe à quel point la femme s'écarte de la réalité, L'homme n'a pas le droit d'être en désaccord. Une autre chose que vous entendez de plus en plus, et que si vous n'êtes pas d'accord avec ce genre d'opinion politique, sociale, marxiste et néo-féministe, c'est immédiatement raciste. On l'entend constamment, constamment, comme un mécanisme de déviation de toutes sortes d'arguments sur le sujet. Tu n'es pas d'accord avec moi politiquement ou socialement Tu es raciste. C'est des conneries. C'est des conneries. Voilà ce que c'est. Je ne vois même pas la race. La race n'est même pas un facteur que je considère. J'ai dit aux gens dès le premier jour, je suis pour mettre fin à toutes les formes d'esclavage. L'esclavage sous toutes ses formes. C'est le sujet de toute ma philosophie. L'esclavage est intrinsèquement illégitime et il faut y mettre fin sous toutes ses formes. Ce n'est pas un programme eugénique contre les populations de couleur, c'est un programme eugénique contre l'humanité. C'est une guerre contre vous. C'est ce qu'est ce programme. Et il est mené à travers le politiquement correct, le discours politiquement correct. Le politiquement correct est une méthode pour limiter la liberté d'expression. De nombreuses femmes ont été conditionnées par le programme néo-féministe pour censurer leur entourage et l'empêcher de parler de ces questions liées au genre et d'autres questions politiquement importantes. Les hommes ont été conditionnés par l'agenda néo-féministe à s'auto-censurer. Les hommes s'auto-censurent parce qu'ils ne veulent pas être ostracisés socialement. Ils craignent le risque d'être ostracisés par la plupart des femmes s'ils osent s'exprimer. Comme je l'ai dit au début de cette présentation, je me fous de savoir qui m'aime. Je dis la vérité dure, désagréable, inconfortable, et je me fiche de savoir si vous l'aimez, et je me fiche de savoir si vous m'aimez. Je ne suis pas ici pour être aimé, je ne suis pas ici pour être votre ami, je suis ici pour dire la vérité. C'est ce que je suis chargé de faire et c'est ce que je vais faire. MGTOW, M-G-T-O-W, signifiant « les hommes prenant leur propre chemin » et MRA, « l'activisme du droit des hommes »,« le manque de facteurs de causalité et de solutions ». Les mouvements masculins comme MGTOW dépeignent souvent les femmes comme diaboliques, défectueuses par nature et seules responsables de la chute de l'humanité. Ils mettent en avant une croyance erronée et source de discorde, disant que l'état d'esprit féminin est le résultat de ce qu'ils appellent la nature féminine. Alors qu'en fait, cet état d'esprit est le produit d'une ingénierie sociale complexe et permanente qui affecte la grande majorité des femmes. Ce n'est certainement pas la nature de la femelle de notre espèce, comme je vais l'expliquer dans une prochaine diapositive. Voici le problème avec leur analyse. Ils comprennent les symptômes, mais ils ne comprennent pas que l'ingénierie sociale est le facteur causal. C'est comme si quelqu'un pensait que tous les psychopathes sont des psychopathes primaires et qu'ils sont juste nés comme ça. Ils ne comprennent pas qu'il existe une condition de psychopathie. La grande majorité des psychopathes ne sont pas des psychopathes génétiques primaires. En fait, ce sont des psychopathes secondaires. Leur psychopathie, leur incapacité à ressentir des émotions ou à éprouver de l'empathie humaine, est due à des événements qui leur sont arrivés au cours de leur vie, à des traumatismes passés qu'ils ont vécus, ou à l'ingénierie sociale, qui est une forme de traumatisme de masse. Elle s'exerce sur la psyché de la femelle de notre espèce. D'accord c'est la raison pour laquelle ces comportements se manifestent. Ils ne sont pas là ainsi dès la naissance. Si cette main cachée des ingénieurs sociaux ne réprimait pas continuellement la vraie nature humaine féminine, les femmes inauthentiques ne se comporteraient pas comme elles le font dans notre société. Nous devons comprendre que si l'on commence à rejeter la faute sur les femmes en tant qu'espèce, en tant que genre, on s'enfonce encore plus dans la guerre des sexes et la division entre les genres, et on ne travaille pas à combler le fossé. Vous passez à côté. Vous pensez d'un point de vue axiomatique absolument défectueux parce que vous n'avez pas fait assez de recherches pour comprendre comment cela se passe. Je vous l'ai dit. Quand je vais sur les forums MICTA ou MERA, c'est presque négligeable quand ils parlent de toute forme d'ingénierie sociale. Et le terme contrôle mental n'est jamais mentionné. S'ils en parlent, ils parleront des influences sociétales. C'est l'euphémisme qu'ils utiliseront. Ils ne l'appelleront pas contrôle de l'esprit. Qui est-ce que c'est vraiment Ils n'en ont aucune connaissance parce qu'ils n'ont aucune connaissance de l'occulte. Zéro. Ces gens n'ont aucune connaissance de la façon dont la connaissance occulte peut être maniée pour affecter l'esprit de quelqu'un d'autre. Aucune. Et c'est le problème avec ces mouvements. Ils sont corrects dans leur analyse, incorrects dans leur analyse des facteurs de causalité, et incorrects certainement dans leur solution. Les mouvements de réaction des hommes tels que les MICTAO et les MRA, comme beaucoup d'autres groupes d'activistes, analysent souvent correctement les symptômes du problème, mais n'ont pas une compréhension précise des facteurs de causalité du problème, et par conséquent manquent également de toute solution à long terme véritablement autonomisante. Une solution, entre guillemets, souvent présentée par de nombreux membres de ces mouvements réactionnaires, consiste pour les hommes à se retirer complètement de la société humaine ou à ne plus avoir la moindre interaction avec les femmes à moins qu'ils n'en retirent un avantage manifeste. Les membres de ces mouvements ne doivent pas s'attendre à une amélioration des conditions qu'ils analysent, tant que le principal facteur causal de l'ingénierie sociale ou du contrôle mental n'est pas reconnu ni traité par eux. C'est pourquoi l'idée d'abandonner et de cesser d'interagir avec les femmes n'est pas une solution. La solution n'est pas de ne pas interagir avec les femmes, mais d'expliquer aux femmes ce qu'on leur a fait subir. C'est ça la solution. Et vous savez quoi La plupart des hommes ne veulent pas participer à ce travail, et la plupart des femmes ne veulent pas l'entendre. C'est la vérité, et vous savez quoi Ça n'a pas d'importance. Je vais continuer à le dire de toute façon. Ça ne fait pas de différence qui écoute parce que c'est la bonne chose à faire. Je ne fais pas ça parce que je m'attends à ce que quelque chose change. Je ne le fais pas parce que je me soucie de personnes spécifiques. Je le fais parce que je me soucie de la vérité et je me soucie de la liberté. Et je vais essayer d'influencer pour une plus grande liberté. Je vais essayer d'influencer la société pour qu'elle aille vers une plus grande vérité et une plus grande conscience. Cela ne fait même pas de différence si l'effet se produit à long terme ou non. Je le fais parce que c'est ce que je suis venu faire ici. C'est ainsi que j'investis mon temps dans ma vie, et surtout parce que c'est juste. Donc, je vois les choses un peu différemment de la communauté Miktao. La pilule bleue, vous savez, le chemin traditionnel de la pilule bleue, et puis vous avez le chemin de la pilule rouge, qui est représenté par la flèche qui sort. Eh bien, je pense vraiment que la vérité est dans une direction entièrement différente des deux options. C'est la fin de la section sur la manipulation. Maintenant, passons aux solutions que je vais présenter aujourd'hui. J'appelle cette section la Renaissance de la déesse. Le titre alternatif pour cette section, elle n'est pas seulement appelée la Renaissance de la déesse elle est aussi appelée les solutions pour combler le fossé entre les sexes. La première chose que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous parlons de cela avec les gens, beaucoup ont été conditionnés à croire ces choses ou à accepter ces méthodes de manipulation et de contrôle mental toute leur vie. Le changement est donc très difficile. Ce contre quoi nous nous battons vraiment, c'est la religion. Si vous ne l'avez pas encore compris, je ne sais pas quoi vous dire. Ces croyances sont des croyances religieuses. Elle constitue un système de croyances religieuses dans l'esprit des gens. Les croyances religieuses sont constamment programmées dans la psychologie d'une personne, particulièrement dans le subconscient, pour ne jamais être remises en question. D'accord. Tout comme la croyance en l'autorité, tout comme la croyance en l'argent, tout comme la croyance en des religions culturelles c'est un anathème et une hérésie de remettre en question ses croyances religieusement ancrées. Ici, vous voyez ce politicien qui demande aux gens qui veut du changement. Et tout le monde lève la main. Oh, donnez-moi un peu de ce changement. Et puis il dit, qui veut changer Et puis tout le monde est juste comme ça. Les bras ballants, la tête baissée. Non, pas moi. Je suis bien comme je suis. Pas de problème ici. Rien à faire ou à changer en moi. Je ne veux pas participer à cette activité. Il y a deux choix principaux dans la vie. Accepter les conditions telles qu'elles existent ou accepter la responsabilité de les changer. Et c'est ce que vous devez vous demander, mesdames et messieurs. De quel côté de la pièce vous trouvez-vous Soit vous êtes un agent qui essaie d'influencer le changement, soit vous êtes une personne qui a simplement accepté les conditions par défaut comme le statu quo. Pourquoi le changement est-il difficile Pourquoi le changement est-il spécifiquement si difficile Je vais reprendre les mots de l'un des médecins à propos duquel je vous ai dit de faire des recherches dans la section épigénétique de cette présentation, le docteur Joe Dispenza. Pourquoi le changement est-il difficile la plupart des gens passent une grande partie de leur journée à ressentir et à penser inconsciemment à partir de souvenirs du passé. Ils le font parce qu'ils sont câblés sur ces expériences, en y pensant de manière répétée et en y associant de nombreuses autres expériences. Et qu'avons-nous dit à propos de l'épigénétique L'épigénétique sont des changements dans la physiologie et la psychologie dus à des changements dans la conscience. Donc, si vous faites constamment en sorte que votre cerveau pense d'une certaine manière, il y a de fortes chances qu'il continue à penser de cette manière, parce que c'est sa zone de confort. Et vous le recablez chimiquement pour qu'il continue à suivre ses schémas et ses voies. Il est logique que si la plupart des gens conservent le même environnement pendant de longues périodes de leur vie, où rien de nouveau ne se produit, ou qu'il n'y a pas de changement, les stimuli répétés vont donc produire la réactivation des réseaux neuronaux associatifs qui vont se développer, se renforcer et s'affiner. En conséquence de ce manque de nouveautés dans leur environnement et leur expérience, ils sont devenus câblés à leur propre monde. Pas étonnant que le changement soit si difficile. Mesdames et messieurs, vous devez vous pencher sur le travail du docteur Joe Dispenza. C'est incroyable. L'initiation, le début du voyage spirituel. Oui, nous reconnaissons que le changement est difficile, mais vous devez commencer. Si vous dites simplement Oh, c'est trop difficile, alors je ne vais pas commencer vous n'irez jamais nulle part. Vous devez commencer le voyage spirituel quelque part. C'est ce que signifie le mot initiation. Cela veut dire commencer entamer. Les occultistes de l'ombre avec lesquels je travaillais, les satanistes, dont j'ai fait partie pendant de brèves périodes, utilisaient une expression pour qualifier le troupeau humain. Ils nous appelaient les non-commencés. C'est le terme le plus ésotérique que j'ai jamais entendu s'appliquer aux masses de l'humanité. Les non-commencés. Parce qu'ils disaient qu'ils ne comprenaient même pas ce qu'est l'initiation. Ils ne comprennent même pas du tout comment commencer un voyage dans la conscience. Ils n'ont commencé à aucun endroit. Ils n'ont même pas commencé à un seul endroit. Et donc, ils les appellent les non-commencés. L'autre terme qu'ils utilisent est les morts. Ils se réfèrent aux êtres humains comme étant les morts. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'activation et de pensée, d'émotion ou d'action au sein de la population. Et donc, puisque ce sont les trois principales expressions de la conscience humaine, et qu'ils sont tous essentiellement morts, à toute fin utile, ils ne sont qu'un amas de matière inanimée qui ne contient aucune vie. Et donc ils nous appellent les morts. Et ils s'absolvent de leurs comportements immoraux envers la population parce qu'ils disent Nous ne faisons pas cela à des entités vivantes, elles sont déjà mortes. Littéralement, ils nous appellent les morts. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. Donc, si vous êtes l'une des personnes qui observe certaines de ces tactiques de manipulation et tous les aspects de l'agenda néo-féministe et que vous dites je n'ai aucun problème avec ça, vous faites vous-même partie du problème. Vous devriez être horrifié par les tactiques de manipulation, les statistiques et les programmes dont j'ai parlé dans la section des problèmes de cette présentation. Et vous devriez commencer à réaliser qu'ils sont réels et qu'ils se produisent. Et si ce n'est pas le cas, vous devez faire beaucoup de recherches par vous-même et vous devez avoir beaucoup plus d'interactions sociales avec des personnes qui ne font pas partie de vos cercles sociaux habituels. Ainsi, vous aurez une vision plus complète et plus éclectique de ce qui se passe réellement. C'est un gros problème pour la plupart des gens. Ils ont tendance à traîner dans leur propre petit cercle, autour de gens qui sont juste comme eux. Ils pensent que tout le monde est comme ça. C'est une absurdité. Viens avec moi et traînons à Philadelphie. Un jour, je vous emmènerai dans des endroits où vous verrez la conscience la plus basse que vous ayez jamais imaginée. Ce ne sont même pas les pires endroits. Donc, vous devez reconnaître que le problème est réel et qu'il est aussi grave que ça. Je vous le dis, c'est probablement pire que ce que j'ai expliqué. L'un des grands philosophes spirituels français, Henri Bergson, a dit ⁇ Heureusement, certains naissent avec un système immunitaire spirituel. ⁇ qui tôt ou tard rejette la vision illusoire du monde qui leur a été greffée dès la naissance par le biais du conditionnement sociétal. Voici un philosophe spirituel, ou que vous pourriez appeler un occultiste, qui sait de quoi il parle. Ils commencent à sentir que quelque chose ne va pas et commencent à chercher des réponses. Une connaissance intérieure et un nombre d'expériences extérieures anormales leur montrent une vision de la réalité à laquelle d'autres sont inconscients et ainsi commencent leur voyage d'éveil. Chaque étape du voyage se fait en suivant le cœur au lieu de suivre la foule et en choisissant la connaissance plutôt que les voiles de l'ignorance. L'une des plus belles citations que j'ai jamais trouvées. Un philosophe oriental a dit ⁇ L'illumination est un processus destructeur. Cela n'a rien à voir avec le fait de devenir meilleur ou d'être plus heureux. L'illumination est l'effondrement de la contre-vérité. ⁇ En fait, ça ne vous rendra pas très heureux. Ça vous rendra plutôt furieux si vous êtes pleinement éclairé sur ce qui se passe réellement. Vous deviendrez furieux assez rapidement si vous avez le sens de la justice et de la conscience. C'est voir à travers la façade des faux-semblants. C'est l'éradication complète de tout ce que nous imaginions être vrai. Et voici une des plus grandes choses que les êtres humains doivent comprendre. Je sais que c'était le sujet principal de la conférence de Jay Parker hier. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dès que quelqu'un commence à me parler de la nature humaine, je réalise qu'il est un complet crétin. Soyez aussi offensés que vous le pouvez. Dès que quelqu'un mentionne le terme ⁇ Oh, c'est la nature humaine !⁇ vous êtes un crétin. Vous ne savez pas du tout de quoi vous parlez. Et je n'ai même pas besoin de commenter ça. Je fais juste cette déclaration. Je fais cette déclaration. La nature humaine n'existe pas, les amis. Il n'y a rien de tel. En fait, il y en a une. Mais c'est tellement négligeable que c'est à peine si on peut la corréler à la raison pour laquelle nous adoptons les comportements que nous adoptons. C'est comme dire, je prends cet ordinateur et je prends un ordinateur identique et je les mets l'un à côté de l'autre et nous allons demander quelle est la nature de ces deux ordinateurs. L'un est-il bon et l'autre mauvais Est-ce que l'un est défectueux et est-ce que l'autre fonctionne Il pourrait y avoir des problèmes de matériel. Disons qu'ils ont tous été soumis à un contrôle de qualité et les mêmes spécifications exactes fonctionnent parfaitement. Le matériel fonctionne parfaitement. Deux machines identiques. Quelle est la nature de ces ordinateurs Calculer des données, prendre des données en entrée, les traiter dans un processeur, et puis les sortir par un certain type de dispositif de sortie. C'est la nature d'un ordinateur. C'est ce que vous faites avec un ordinateur. Qu'est-ce qui détermine si l'ordinateur fonctionne efficacement ou non Quelles sont les qualités que l'ordinateur doit avoir pour fonctionner efficacement il doit avoir un bon format de système de fichiers sur le disque dur. Il doit avoir un système d'exploitation qui fonctionne correctement et qui n'a pas beaucoup de bugs. Il doit avoir de bons programmes logiciels par lesquels vous pouvez faire passer des données et les transformer. Et puis il doit avoir de bons dispositifs de sortie pour mettre les données que vous traitez et retravailler sur l'écran ou sur Internet ou sur une imprimante ou autre. La nature d'un ordinateur est qu'il calcule des informations. C'est tout ce qu'il fait. Eh bien, quelle est la nature d'un être humain C'est très similaire à la nature d'un ordinateur, sans dire que les êtres humains sont des ordinateurs, parce qu'ils ne sont pas des ordinateurs. Ils ne sont pas seulement des ordinateurs biologiques. Mais nous avons une nature similaire à celle d'un ordinateur, en ce sens que nous prenons des informations en nous, nous les traitons pour voir s'il y a des incohérences, et ensuite nous agissons en fonction de ces informations dans la société. C'est la méthode du trivium, le processus du trivium, entrée, traitement et sortie. Donc, les êtres humains, leur nature réelle est comme un ordinateur. Ils sont une espèce programmable. La nature de l'être humain est qu'un être humain peut être programmé pour se comporter d'une certaine manière. C'est notre nature. C'est ce que l'éducation parentale est, finalement. Vous programmez un enfant. C'est la parentalité et l'éducation. Vous programmez dans un enfant des données d'entrée comportementales qui sont traitées dans l'esprit, dans la psyché de l'enfant, et ensuite, ils affichent le comportement sur l'écran de la vie. C'est la sortie appelée comportement humain. Les êtres humains sont programmables, comme les ordinateurs. Comme un ordinateur, si un être humain a un mauvais format de système de fichiers, c'est tout le conditionnement et toutes les données qu'un enfant humain prend pendant les années de formation ou les années de formatage. Vous établissez le format de l'esprit de l'enfant. D'accord S'il a un mauvais système d'exploitation, et quel est notre système d'exploitation C'est la culture dans laquelle nous fonctionnons dans notre société. Si elle est déjà encrassée, polluée, et vraiment en désordre, et que le cerveau des gens est gravement endommagé, et que leur comportement est vraiment mauvais, vous êtes déjà désavantagé. Parce que le système d'exploitation dans lequel vous travaillez est déjà totalement détraqué. Et s'il y a de mauvais logiciels, si on leur a donné de mauvais logiciels plein de bugs, ce sont les croyances rigides, erronées et dogmatiques que les gens ont été conditionnés à accepter par l'ingénierie sociale. En d'autres termes, c'est la religion. C'est de la fausse religion, laissez-moi la qualifier ainsi. Si vous avez toutes ces qualités en place, eh bien, que pensez-vous qu'il va se passer Vous pensez que la personne va être une personne bien ajustée Vous pensez qu'elle va vraiment avoir beaucoup de connaissances Elle va être une personne qui se comporte vraiment correctement envers les autres Qui veut élever la conscience Qui veut s'élever elle-même et les autres Bonne chance. Bonne chance avec ça. Vous n'aurez jamais ça dans ces conditions. Ça ne peut jamais arriver. Non seulement ça ne peut pas arriver, mais ce n'est pas possible. Si vous avez toutes ces choses, le format de fichier qui est la programmation formatrice de l'enfant, le système d'exploitation et les programmes logiciels, c'est-à-dire un horrible système de croyances en place, vous allez avoir un mauvais résultat sur l'écran, ou sur Internet, ou sur l'imprimante. Et ces dispositifs de sortie s'appellent la vie humaine. Ne vous attendez pas à un bon résultat sur ces appareils, sur cet appareil appelé vie. Vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez que des déchets. Une fois que c'est mauvais pour plusieurs personnes, ça s'accumule, ça se développe dans le sens global. Et alors vous avez des conditions qui se détériorent à l'échelle globale, à l'échelle de la masse de l'humanité. Comme un ordinateur, le comportement d'un être humain dépendra largement de sa programmation ou de son éducation, ou de l'éducation de l'enfant. La question qui se pose alors est la suivante. Qui fait cette programmation Des personnes qui se soucient réellement de cet être et qui veulent le renforcer et l'élever en conscience Ou des personnes qui veulent lui faire perdre la tête pour que cet être soit un bon esclave Je vais vous dire qui l'a fait, et ce ne sont pas les bons parents. Parce que si nous avions de bons parents dans le monde, cette merde ne se produirait pas. La qualité du comportement que l'être humain produit sur l'écran de la vie va dépendre en grande partie de la programmation que cet être a reçue. Et cette programmation signifie la qualité de l'information que cet être reçoit, qui lui permet de traiter et de créer efficacement pour comprendre son environnement et créer son environnement d'une manière qui est meilleure et édifiante pour lui-même et pour tous ceux qui l'entourent. D'accord Cela signifie que toutes les informations qui entrent, cela signifie la nourriture, l'air, l'eau, tout ce que nous considérons comme des informations, comme des données sur les choses qui se passent dans le monde. Tout cela doit être pur et non pollué. Vous allez avoir des erreurs dans le système biologique, des erreurs dans le système psychologique. Si des déchets entrent dans un être humain, des déchets sortent de l'être humain. Si des informations de qualité, des nutriments de qualité et de l'énergie de qualité entrent dans un être humain, la qualité sort de l'être humain et il envoie dans le monde une bonne énergie positive. Alors, si le monde est ainsi par absolue définition, avec quoi devons-nous programmer nos enfants De la qualité ou des déchets Des déchets, en grande partie, où le monde ne pourra pas être comme il est. Il ne pourrait pas se manifester comme il est. C'est la dure vérité. C'est ce qu'est la nature humaine, les amis. Ce n'est pas binaire. Oh, c'est bon ou mauvais, ou oh, c'est juste la nature du comportement des gens. Ils seront toujours programmés par leurs gènes pour se comporter de cette façon et ils ne peuvent rien y faire. C'est absurde. Nous avons le libre arbitre. Nous existons dans un univers de libre arbitre. Vous avez toujours le choix. Vous n'êtes pas contrôlé par vos gènes. La conscience précède l'expression des gènes. Si vous changez la façon dont vous pensez et croyez, vous pouvez changer le résultat manifesté dans le soi-disant domaine externe appelé le monde. La première chose à faire est de comprendre ce qu'est réellement la nature humaine et de sortir de votre esprit cette notion de connerie absolue du scientisme darwinien, cette forme d'évolution absurde de la survie du plus apte quand il s'agit de la nature humaine, de pourquoi les gens se comportent comme ils le font. Et si vous croyez à cette merde, vous êtes totalement sous contrôle mental. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est un non sens. C'est une soi-disant théorie qui n'a même pas répondu à ses propres attentes à travers les preuves dans les archives fossiles. Les gens doivent arrêter de l'accepter comme une loi parce que ça n'a rien à voir avec la loi. Les êtres humains ne se comportent pas d'une certaine façon par nature. Ils apprennent leur comportement. Cet argument de la nature contre l'éducation est un tas de conneries qui doit être mis de côté. C'est presque entièrement de l'éducation. C'est presque tout ce qu'on nous a appris, ou pas appris, par les générations qui nous ont précédés, et nos propres parents, et nos enseignants, soi-disant enseignants, et soi-disant dirigeants, qui sont censés se soucier de nous dans la société et n'en ont rien à secouer. Ils nous programment avec des déchets et nous attendons des résultats de qualité dans la vie. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera jamais de cette façon. Prochaine solution. Comprendre qui dirige cet agenda. Croyez-moi. Il est dirigé par ces groupes et ces individus. Vous n'êtes pas obligé de me croire. C'est à vos risques et périls. Vous comprenez ce que je dis Et les gens qui écoutent là dehors, qui ne sont pas dans la pièce. Je sais que les gens dans la salle ont une attitude beaucoup plus ouverte à ce sujet. Les gens à l'extérieur qui écoutent et refusent pourtant de comprendre et d'examiner ces agendas réalisés par tous ces groupes dont je vais parler, c'est à vos risques et périls. Parce que croyez-moi, ils y travaillent. Ils sont déjà en train de le faire. Le premier groupe auquel vous devez vous intéresser est l'Institut Avistock des relations humaines. Si vous ne comprenez pas l'Institut Avistock, qui y est impliqué, ce qu'il fait, ce qu'il met en place, vous passez à côté d'une partie entière du programme de contrôle mental du monde, parce que c'est là que les ingénieurs sociaux se réunissent et formulent leurs plans. Le livre de John Coleman est une lecture indispensable. Quiconque n'a pas lu ce livre, c'est inacceptable. Vous devez lire le livre L'Institut Tavistock des Relations Humaines pour comprendre ce think tank de contrôle mental. Un autre groupe sur lequel vous devez vous pencher, Coleman a également écrit un livre sur ce groupe, il s'agit du Club de Rome, directement lié au Vatican, absolument responsable de la mise en œuvre du programme de contrôle de la population ou de l'eugénisme sur cette planète. C'est interconnecté avec l'agenda religieux pour le contrôle de la population. Parce que croyez-moi, ces groupes religieux de façade, les trois grandes religions en particulier, le christianisme, le judaïsme et l'islam, sont directement infiltrés et dirigés par des groupes occultes. En fait, ces religions ont été créées par des occultistes noirs. Vous devez faire des recherches sur le Club de Rome. Quand j'étais impliqué dans le satanisme, c'est l'organisation qui a été continuellement présente son nom revenait encore et encore et encore dans la bouche de certaines des personnes qui étaient plus haut que moi dans les hiérarchies disant nous pensons qu'en comprenant un peu vos qualités et votre personnalité nous pourrions vouloir essayer de vous impliquer bien sûr je n'ai jamais été impliqué mais c'est ce qui a été suggéré parce qu'il pensait que j'avais l'état d'esprit pour être impliqué dans un programme eugénique et vous savez quoi Je l'étais. Et vous savez quoi Je le suis toujours. Comment ça Vous voulez une révélation choquante pour libérer votre esprit Je suis un eugéniste. Un vrai eugéniste, pas un dysgéniste. Le vrai eugénisme signifie bonne reproduction. C'est tout ce que le mot eugénisme signifie. Il signifie que je veux que les gens soient élevés dans la société vers des états de conscience plus élevés. L'adjectif iu »,« epsilon upsilon en grec prononcé iu », est l'adjectif qui signifie bon. Puis genos l'autre partie d'eugénisme signifie race ou souche. Donc, ça signifie simplement créer une meilleure race de personnes. C'est tout ce que ça veut dire. Je souhaite l'eugénisme, pas le dysgénisme. Comme on l'a dit hier, on ne peut pas vraiment appeler les ingénieurs sociaux du monde des eugénistes. Ils n'essaient pas d'améliorer l'humanité. Ils essaient de nous tirer vers le bas pour que nous nous trions nous-mêmes et que nous les aidions à nous trier. C'est du dysgénisme. Ça n'a rien à voir avec une bonne reproduction. C'est une mauvaise reproduction. Ils ont pensé que je serais apte à les aider dans leur travail de dysgénisme lorsque j'étais impliqué dans le satanisme. Parce qu'ils ont vu en moi un certain ensemble de compétences caractéristiques qu'ils voulaient exploiter. Et c'est ça le truc. Je comprenais ce qu'ils appellent le génisme, qui est en fait du dysgénisme. Je le comprenais. Ils savaient que je comprenais ce que c'était vraiment et comment ça marchait. C'est pour ça qu'ils voulaient m'impliquer dans ce programme. C'est comme comprendre un psychopathe. Vous ne pouvez pas vraiment comprendre en profondeur le niveau de mal qui se passe dans le monde, à moins que vous ne puissiez mettre votre esprit dans cet état d'esprit. C'est une partie du problème, les amis. Les gens ne peuvent pas imaginer le mal. Ils ne peuvent pas imaginer un esprit psychopathe. C'est une mauvaise chose de ne pas être capable de le faire. Les gens diront ⁇ Pourquoi voudrais-je essayer d'imaginer cela ou de me mettre dans cette position ?⁇ Si vous ne pouvez pas visualiser ce niveau de mal, vous ne pouvez pas comprendre comment il fonctionne. Vous ne pouvez pas visualiser comment quelqu'un peut vouloir contrôler l'ensemble de la population. C'est même difficile pour vous de saisir que cela se fait, parce que vous ne pouvez même pas concevoir l'état d'esprit des gens qui le font. C'est presque trop fantastique pour que l'esprit accepte. Et les gens pensent que c'est une bonne chose. Que cela signifie qu'ils ne sont jamais dans ces mauvaises, horribles mentalités en pensant comme ça Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une bonne chose. C'est une très mauvaise chose que les gens ne puissent pas penser comme ça. Vous devez avoir la capacité de changer votre esprit dans cet état d'esprit presque psychopathe. C'est quelque chose que j'appelle avoir le psychopathe. Si vous ne connaissez pas cet aspect de votre personnalité, vous ne pouvez pas comprendre le niveau de mal contre lequel nous nous battons et encore moins le combattre. Impossible, sans avoir ce côté sombre et obscur en vous. Pas possible. D'autres groupes et agences de renseignement sont liés à cet agenda, en particulier les renseignements des États-Unis. Le Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion qui dirige des opérations politiques en conjonction avec l'agenda eugénique. Les Nations Unies, une autre organisation politique mondiale qui est directement impliquée dans. Vous savez les opérations eugéniques, et soutient des choses comme le contrôle de la population. La Fondation Rockefeller, responsable d'une grande partie des aspects pharmaceutiques du programme eugénique. Le groupe Bilderberg, qui définit la politique internationale de nombreux pays en ce qui concerne ce programme. Cette toute petite cabale de dirigeants financiers internationaux, de dirigeants politiques, de dirigeants scientifiques, tous. Les socialistes de la société fabienne, leur logo représente un loup déguisé en mouton. Le socialisme fabien est également connu sous le nom de socialisme progressif. C'est la forme de politique que nous avons ici aux États-Unis en ce moment, le socialisme fabien. Cela signifie que vous allez marcher à travers les institutions pour faire ce que vous voulez faire politiquement. Vous n'allez pas essayer de conquérir une nation militairement et faire une révolution militaire. Vous allez le faire à travers une révolution culturelle, comme nous allons en parler. Cela signifie que vous faites une avancée totalitaire vers le communisme complet, et c'est ce dans quoi la Fabian Society est activement impliquée, dans la progression de la promulgation du marxisme culturel aux États-Unis. Comme nous allons le voir, c'est un plan communiste direct. Il s'agit d'un programme communiste visant à affaiblir l'ensemble du tissu. L'essence principale qui renforce le tissu d'une culture, à savoir le lien familial entre l'homme et la femme. C'est l'une des principales méthodes d'attaque que les communistes ont utilisées dans tous les pays qu'ils ont envahis. Et ils sont bien implantés aux États-Unis, et ils y parviennent. Ils constituent une unité cohésive qui opère principalement par le biais du système scolaire public. La religion organisée. Chaque soi-disant religion culturelle, en fin de compte, dans les coulisses, est activement impliquée dans le programme dysgénique et le programme de contrôle de la population. C'est de là que les idées hors d'âge et rétrogrades sur la sexualité humaine viennent. Ils mettent en avant ces anciennes vues de la sexualité humaine qui sont toutes à propos de la répression de la dynamique sexuelle naturelle et de l'énergie entre les hommes et les femmes. Et c'est une partie délibérée de l'agenda. Vous pensez que toutes ces religions sont séparées Elles ne le sont pas. Elles travaillent toutes dans les coulisses sur le même accord. C'est comme la politique, comme si on avait un système à trois parties au lieu de deux. C'est toujours les mêmes personnes en coulisses, dirigées par le programme occulte sombre, le programme eugénique. Et ce ne sont que des façades pour ces groupes. Tant de gens sont attachés à leur religion. Ils pensent que leur religion est la bonne et que toutes les autres religions sont fausses. Elles ont toutes été inventées pour diviser l'humanité. Elles ont toutes inventées pour donner aux gens un système de croyances rigide, pour qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Elles ont toutes une part de vérité en elles, sinon la plupart des gens n'y croiraient pas. Donc, au fond, oui, il y a une graine de vérité. Mais vous savez, tous les autres ornements, lois, rituels et tous ces autres trucs sont juste là pour vous écarter du chemin de la vérité, vous mettre dans une boîte et vous dire, vous ne devriez rien considérer en dehors de cette boîte. Voici les vrais religieux qui se cachent derrière les soi-disant religions culturelles. Tout a été inventé par les mêmes personnes, les amis, et a été dirigé par ces personnes pendant des dizaines de milliers d'années. C'est l'essentiel de mon travail quand je parle de l'occulte obscur. C'est la classe des prêtres qui dirige vraiment le spectacle. Vous ne connaissez aucun de leurs noms, et moi non plus. Peu importe leur nom. Ils vont et viennent. Ils entrent et sortent. L'un quitte cet avion. Un autre vient directement prendre sa place. C'est comme ça que ça marche. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce ne sont pas tous des hommes, ni tous des blancs. Il n'y a pas que des juifs et des francs-maçons. C'est une grande variété éclectique d'êtres humains de tous horizons, et je vous le dis, il y en a probablement quelques-uns assis dans la salle. Juste une anecdote rapide, très rapide. Lors d'une synchronicité étonnante de ma vie, je suis passé dans les rues de Philadelphie. Deux satanistes dans les deux derniers mois où j'ai travaillé au sein des institutions sataniques, lorsque j'étais activement impliqué. J'ai croisé deux satanistes dans la rue au cours des deux derniers mois. Ils ne m'ont pas vu passer parce que j'étais en voiture les deux fois. Et je vous le dis, si je suis passé à côté de deux personnes que j'ai personnellement reconnues de par mon engagement, je vous garantis qu'elles sont toutes autour de nous. Mon attitude commence à être réajustée par rapport au nombre de ces personnes. Le nombre est plus important que je ne l'avais imaginé. Parce que si ce genre de fréquence peut se produire, je vous garantis qu'il y en a tellement que vous n'avez absolument aucune idée. Cette religion est ancienne. Vous devez comprendre que ces gens se reproduisent sur la Terre depuis longtemps. Et ils ont effectué ces opérations eugéniques depuis longtemps. Je n'essaie pas de vous donner l'impression qu'ils sont tout puissants ou qu'on ne peut pas les arrêter. Mais j'essaie juste de vous aider à comprendre. Vous devez vraiment comprendre qui dirige le spectacle. Nous ne vivons pas dans un matriarcat. Nous ne vivons pas dans un patriarcat. Ce sont des mythes. Aucune de ces choses n'existe ou n'a existé. Contrairement à la propagande néo-féministe, nous ne vivons pas dans un patriarcat ni dans un matriarcat. Simplement parce que les femmes ont été conditionnées pour conditionner les hommes et les influencer pour qu'ils obéissent au système de contrôle, cela ne signifie pas que nous vivons dans un matriarcat. Par contre, nous vivons dans ce que j'appelle une occultocratie. Une société qui est dirigée secrètement par une classe de prêtres occultes qui utilisent leurs connaissances avancées de la psyché humaine pour contrôler l'esprit de la majorité écrasante de la population humaine ignorante. L'occultocratie comprend un petit sous-ensemble de l'humanité qui croit qu'il est surdoué et qu'il est en passe de devenir des dieux sur Terre. L'ego et l'égoïsme hors de contrôle sont l'essence de leur religion satanique. Ils nous ont inculqué leur propre système de croyance axé sur l'ego, qui a remplacé nos valeurs morales traditionnelles et s'est profondément ancré dans notre culture. C'est ça le problème, les amis. Le problème n'est pas qu'il y a un sous-ensemble de satanistes qui dirigent le monde. Le problème est qu'ils ont donné à la majeure partie de l'humanité leur état d'esprit psychopathe. C'est ça le problème. Et jusqu'à ce que nous brisions les liens de cette mentalité psychopathe, ne vous attendez pas à la liberté, ne vous attendez pas à un changement positif, n'attendez rien d'autre que plus de morts. C'est le but de cette secte, et c'est ce qu'ils vont nous donner jusqu'à ce qu'on se bouge. Vous n'avez pas le choix, vous avez des propriétaires. Probablement le plus grand comique politique de tous les temps, Georges Carlin. Le néo-féminisme, en son noyau, est un programme communiste et satanique. Pas nécessairement en premier lieu, mais d'abord, je vais parler de la façon dont c'est un programme communiste. Les socialistes et les communistes purs et durs ont depuis longtemps pris le contrôle du système scolaire en Amérique. Le système scolaire public et le système scolaire universitaire. Le communisme s'infiltre dans le système éducatif de notre pays et a lentement, au cours des dernières générations, pris culturellement le contrôle de l'esprit des jeunes. Je vous le dis. Les jeunes générations de notre espèce sont les générations les plus mentalement asservies qui aient jamais vu le jour. C'est si triste. C'est une chose tellement triste. C'est un témoignage de la façon dont ce programme d'asservissement se déroule et fonctionne dans le système scolaire. Pour ceux qui entendent ma voix, sortez vos enfants des écoles publiques et faites-leur l'école à la maison. Leur esprit est détruit, détruit dans le système scolaire public. Ils sont programmés de manière flagrante pour accepter le communisme. Les dix préceptes du manifeste communiste sont en place en Amérique. Pas un, pas trois, pas cinq, pas sept, tous les dix. Faites des recherches et comprenez quels sont les principes réels du communisme et vous verrez qu'ils sont tous en place. Cela fait de cette nation un régime communiste de facto. Et malheureusement, la plupart des gens en Amérique ne peuvent même pas définir ce qu'est le communisme. Ils ne comprennent même pas que c'est la prise de contrôle des moyens de production par l'État. Ils ne comprennent pas que c'est un système d'asservissement. Ils pensent que c'est un paradis des travailleurs, des conneries mises en avant par les occultistes de l'ombre. C'est tout. C'est un paradis absolu pour être un travailleur esclave, pour les membres du parti au sommet, qui sont une occultocratie. Les marxistes culturels prévoient de mener une guerre secrète contre l'Amérique par le biais d'une longue marche à travers les institutions. Cela a été formulé par le groupe de réflexion de l'école de Francfort, sous la direction du communiste italien Antonio Gramsci. Et si vous ne savez pas qui est ce type, vous feriez mieux d'aller sur Internet et de commencer à taper son nom dans un moteur de recherche et de tout lire à son sujet, parce qu'il est probablement l'une des plus grandes influences culturelles de ce pays et personne ne connaît son nom. Réalisant que l'Amérique ne pouvait pas être conquise facilement de l'extérieur, le plan de Gramsci était de l'affaiblir au fil du temps en infiltrant ces institutions et en créant des problèmes et des stratégies de division sociale. Cela produirait l'effet à long terme de diviser les sexes et de détruire la dynamique familiale, les liens familiaux entre l'homme et la femme dans la société. Vous devez affaiblir ces liens pour affaiblir la société à un niveau fondamental. Cela ouvrirait la voie à la prise de pouvoir par le parti, et cela ne ressemblera pas à ce parti. Cela ressemblera plutôt à des goulags politiques et des camps de concentration et à la famine de masse de personnes, comme c'est toujours le cas dans ce système raté que les gens croient encore si idéaliste et désirable. Si vous pensez de cette façon, vous avez la tête dans le cul. Voici quelques citations de communistes. Lénine a dit... « Donnez-moi quatre ans pour enseigner aux enfants, et la graine que j'ai semée ne sera jamais déracinée. » Ça s'appelle le système universitaire. Nikita Khrouchtchev, qui a dit à l'Amérique que les communistes nous enterreraient en silence, et qu'ensuite nos enfants se réveilleraient dans un pays déjà communiste. Et vous savez quoi Il ne mentait pas. Cet occultiste malade et dépravé disait la vérité. Ils sont en train de le faire. Parce que nous ne sommes pas encore sur la même page. On n'est toujours pas sur la même page. Nous sommes presque au milieu de l'année 2016. L'humanité n'est toujours pas sur la bonne longueur d'onde concernant ce qui se passe. Leur tête est toujours sur leur télévision. Leur bouche est toujours pleine de nourriture OGM. Les enfants de vos enfants vivront sous le communisme. Vous, les Américains, êtes si crédules. Vous n'accepterez pas le communisme tout de suite, mais nous continuerons à vous nourrir de petites doses de socialisme jusqu'à ce que vous vous réveilliez enfin et découvriez que vous avez déjà le communisme. Nous n'aurons pas à vous combattre. Nous affaiblirons donc votre économie jusqu'à ce que vous tombiez comme un fruit trop mûr entre nos mains. Ouais, ça n'arrivera pas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Joseph Staline. L'Amérique est comme un corps sain et sa résistance est triple. Son patriotisme, sa moralité et sa vie spirituelle. Et je dirais qu'il parle des vrais patriotes, et non pas du genre de pensée absurde selon laquelle votre pays ne peut jamais faire de mal. Il parle de patriotes comme moi. C'est de ce genre de patriotes qu'il parle. Et vous savez quoi Il a absolument raison sur la première partie de cette déclaration. C'est le système immunitaire de l'Amérique et il se développe lentement. Si nous pouvons saper ces trois domaines du vrai patriotisme, de la moralité et de la vie spirituelle, l'Amérique s'effondrera de l'intérieur. Ne vous inquiétez pas pour ça, ça ne fait pas partie du plan, ce n'est pas en train d'arriver. Lorsque nous serons prêts à prendre les États-Unis, nous ne les prendrons pas sous l'étiquette du communisme. Nous ne les prendrons pas sous l'étiquette du socialisme. Ces étiquettes sont désagréables pour le peuple américain et elles ont été trop brandies. Nous prendrons les États-Unis sous les étiquettes que nous avons rendues très aimables, nous les prendrons sous le libéralisme, le progressisme, la démocratie, mais nous les prendrons. Alexander Trachtenberg à la Convention nationale des partis communistes de 1944. Ils ont été occupés. Mais vous savez, ne vous inquiétez pas, car il n'y a pas de plan communiste pour prendre le contrôle de l'Amérique. Ce n'est pas en train de se produire. Le néo-féminisme est en son noyau un programme satanique dont nous avons déjà un peu parlé. Mais je veux quand même présenter des preuves absolues de cela. Et elles sont très flagrantes. Je vais vous dire une chose sur les satanistes. Lorsqu'ils parlent entre eux ou avec les gens qu'ils touchent directement, ils sont très francs sur ce qu'ils font. C'est peut-être la seule faille de leur armure. Ils ont une telle surabondance de confiance qu'ils peuvent sous-estimer la combativité de l'humanité. C'est un espoir que j'ai. Ils parlent très franchement et ouvertement entre eux et sont très transparents sur ce qu'ils font. Un peu du style Ouais, on va faire ça, qui va nous arrêter Personne. C'est comme ça qu'ils parlent. Et vous allez voir de quoi je parle ici dans la citation que je vais lire. Le génisme est l'un des quatre principaux tenants de l'idéologie satanique. Avec l'égoïsme forcené, le relativisme moral et le darwinisme social. L'un des livres les plus importants de cette religion, La sorcière satanique, est un manuel sur la façon de manipuler les hommes pour les amener à la botte d'une femme rusée et égoïste. Il se lit comme un journal intime des néo-féministes modernes. Citation de Zina Laveille, du livre d'Anton Laveille, La sorcière satanique, qui est un manuel de terrain sur la façon dont les femmes peuvent complètement manipuler et dominer les hommes pour les amener à faire ce qu'elles veulent ou à leur donner les ressources qu'elles veulent pour leur propre objectif égoïste. Zina était la fille d'Anton Laveille au moment où elle a écrit l'introduction du livre La sorcière satanique, dont je crois qu'il s'agit de la deuxième impression. Et voici sa citation à la page 2 de La sorcière satanique. La sorcière satanique, parmi beaucoup d'autres choses, est un guide pour la reproduction sélective, un manuel pour l'eugénisme, juste à la deuxième page de l'introduction du livre, admettant très candidement et ouvertement que c'est ce que c'est, ce qu'ils font, parce qu'ils savent que la plupart des gens ne vont jamais lire cette chose, parce que vous allez dire, oh, c'est du satanisme, et je ne veux pas me remplir l'esprit avec ça. Eh bien, si vous n'avez pas lu la Bible satanique, c'est totalement inacceptable. Si vous n'avez pas lu la sorcière satanique, c'est totalement inacceptable, parce que vous ne connaissez pas la mentalité de vos propriétaires. C'est pour ça que vous devez le lire. Ils vous donnent les règles du jeu au grand jour, parce qu'ils sont tellement sûrs que vous ne serez même pas intéressé par ce qu'ils disent qu'ils vont vous faire. Je voulais ajouter cette image à la présentation parce qu'elle représente parfaitement l'énergie féminine profanatrice dont je parle, la destruction du féminin sacré. Dans l'allégorie biblique, c'est l'énergie de Lilith. C'est de ça qu'on parle ici. Il ne s'agit pas de la nature de la femme, il s'agit de l'état de contrôle mental absolument égotique, de vouloir être Dieu, de vouloir contrôler dans lequel l'essence féminine peut être déformée. C'est l'énergie de Lilith. C'est ce dont nous parlons ici. Cet agenda, à la base, est basé sur cette énergie profanatrice. C'est juste un nom. Je n'y crois pas en tant que divinité incarnée ou quelque chose comme ça. C'est une idée conceptuelle qui représente des aspects de nous-mêmes qui pourraient devenir complètement pourris et pervertis. La solution consiste donc à réveiller l'énergie féminine sacrée. L'énergie d'Eve si vous voulez, l'énergie de Sophia. C'est ce qu'il faut éveiller. La sagesse, la vraie sagesse, le souci de la vérité. L'intelligence basée sur le cœur, un désir de justice et de moralité et de loi naturelle et la véritable égalité en vertu des droits ce que les anciennes déesses représentaient symboliquement et allégoriquement dans chaque ancienne tradition mystique, dans chaque ancienne tradition de sagesse. Nous devons incarner, tant chez les hommes que chez les femmes, le principe perdu, le souci de la vérité. Le principe perdu est la dynamique de l'attention. Ce dont nous nous soucions au jour le jour est la force motrice de nos pensées et de nos actions. Par conséquent, l'attention peut être considérée comme le générateur ultime de la qualité de notre expérience. Ce principe a souvent été appelé le principe génératif, le principe créatif féminin sacré. Le mot génératif vient du verbe latin generer, qui signifie faire ou créer. Il s'agit de l'énergie de l'utérus maternel, de l'énergie créatrice nourricière que nous avons tous en nous, hommes et femmes. Il ne s'agit pas de sexe. Il s'agit du principe du genre mental ou du genre spirituel. Tous les êtres, quel que soit leur sexe physique, portent en eux ces qualités à la fois masculines et féminines. La plupart des gens, cependant, ne se soucient pas de la vérité. Ils ne se soucient que de ce qui joue en leur faveur, peu importe que ces conditions soient injustes et inhumaines ou que leur obtention provienne de conditions inhumaines et injustes. Et vous savez comment s'appelle cette idéologie, mesdames et messieurs Répétez après moi, le satanisme. Voilà comment s'appelle cette idéologie. D'accord C'est ce qu'est vraiment le satanisme. Ce n'est pas vénérer une entité diabolique. C'est dire Je suis Dieu, je suis le seul qui compte, je me fous de ce qui arrive à mes semblables, tant que ça marche en ma faveur et pour mon confort, j'emmerde tout le monde. C'est comme ça que les gens pensent. Et laissez-moi vous dire quelque chose, l'écrasante majorité de l'humanité est sataniste. Ce ne sont pas des satanistes qui sont dans le secret, dans l'obscurité occulte, qui dirigent activement cet agenda, mais ils sont néanmoins satanistes. Ils sont de facto satanistes dans leur esprit, dans leurs émotions et dans leur comportement. C'est ça qui compte vraiment. C'est ce conditionnement qui conduit à ce style de vie et qui fait que le monde reste une prison. Jusqu'à ce que cet état d'esprit disparaisse, que nous nous libérions de cet état d'esprit satanique, attendez-vous à vivre dans une prison Bon sang, exactement, c'est exact. Ce qui nous intéresse suffisamment pour y mettre notre volonté est finalement ce qui sera créé dans notre monde, ce que nous manifestons dans notre monde. Le monde est tel qu'il est, parce que la plupart des gens ne s'y intéressent pas suffisamment, même s'ils disent vouloir du changement, et ils disent qu'ils veulent que les choses soient différentes, pour les changer par leurs actions. Les gens détestent quand je dis ça, parce qu'ils disent ⁇ Ce que tu dis, c'est que la plupart des gens veulent vraiment, en fin de compte, que les choses soient comme ça. ⁇ Ouais, peu importe ce que vous dites, ce qui compte sur la ligne d'arrivée, c'est ce que vous faites. C'est toute la question. Il y a un choix ou l'autre. Vous acceptez de rester comme ça, ou vous prenez des mesures pour le changer. Et si vous n'êtes pas activement impliqué dans ce processus, vous faites partie du problème et vous aidez les choses à rester telles qu'elles sont, que vous disiez ou non que vous voulez qu'elles changent. C'est ce qu'implique le principe de soin ou d'attention. Vous devez vous sentir suffisamment concerné pour vous lever et faire quelque chose. Et cela signifie parler à d'autres personnes. Cela signifie que peu importe à quel point la situation peut être inconfortable ou folle, ou à quel point vous pouvez être perçu comme fou par les autres, cela ne fait pas la moindre différence. Vous devez le dire quand même. Une partie de ce processus, une partie de ce processus de guérison, parce que tout cela est finalement un manque de véritable estime de soi, c'est de là que vient tout ce désir de contrôle. Il vient de personnes qui, en fin de compte, se détestent intérieurement. C'est de là que toute cette peur est issue. C'est une mentalité de dégoût de soi. Quelqu'un qui s'aime vraiment ne veut pas essayer de contrôler les autres. C'est très simple. Si vous vous aimez vraiment à un niveau spirituel fondamental, vous n'essayez pas de contrôler le comportement de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas envie d'être le leader, le maître ou le dirigeant de quelqu'un. Je suis mal à l'aise, même en essayant d'être un enseignant de cette formation, parce que je n'ai pas vraiment envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça avec mon temps. Je vais continuer à le faire parce que je sais que j'ai la responsabilité morale, sachant ce que je sais, de continuer à le faire. Ce n'est pas comme ça que je veux passer mon temps. Je veux faire du vélo, je veux faire des arts martiaux, je veux faire des smoothies et des jus, améliorer ma santé, je veux faire de la musique. C'est ce que je veux faire de mon temps. Je veux aller voir d'autres groupes jouer, j'aime créer, je veux m'améliorer en art des activités créatives. C'est ce que je voudrais faire. Si vous pensez que c'est ce que je veux faire, vous devez avoir pris de très, très, très mauvaises drogues. Gardez-les loin de moi si c'est ce que vous pensez. Le mot respect est dérivé du préfixe latin re, qui signifie encore, et du verbe latin spectare, qui signifie regarder, considérer. Le vrai respect signifie que vous devez faire le travail interne de l'ombre et jeter un autre regard sur vous-même vos propres attitudes, vos propres émotions, vos propres comportements. Et c'est l'une des choses les plus difficiles à faire pour tout être humain. Se poser la question, Qui suis-je Et est-ce que je m'aime vraiment Vous voulez parler du vrai travail difficile C'est plus difficile que Vous devez faire ça avant de vous engager dans le grand travail. C'est le travail le plus dur qu'il y ait à faire. C'est la longue, perfide et sombre nuit de l'âme. Quand j'ai presque perdu mon moi, la connexion avec mon moi supérieur, et que je suis rentré dans des états dépressifs tels que j'ai envisagé le suicide et que je ne voulais plus être en vie, c'est là que ce processus sombre se produit. Mais une fois que vous l'aurez traversé, je vous garantis que quand vous ferez ce sombre travail, vous sortirez transformé de l'autre côté. Une autre solution est le non-soutien des femmes aux suiveurs d'ordre et aux dominateurs. Les femmes doivent assumer leur rôle d'influenceuses de la moralité humaine, ce qu'elles pourraient très bien faire à nouveau. L'une des façons les plus significatives de le faire est de tracer une ligne dans le sable en refusant de soutenir de quelque façon que ce soit les hommes qui sont employés comme suiveurs d'ordre. Tout homme acceptant un emploi dans lequel il s'engage dans l'initiation à la violence et à la coercition devrait être encouragé par les femmes à quitter cet emploi immoral et à en trouver un moral. C'est ce que l'on appelle, dans la pensée orientale, le concept de moyen de subsistance juste. Et tant de femmes sont complètement complaisantes à cet égard. Peu importe d'où vient l'argent de l'homme, elles sont simplement heureuses d'avoir ce revenu, tant qu'il leur procure un certain niveau de confort pour leur qualité de vie. Et je vous le dis, c'est l'un des plus gros problèmes de cette société. C'est sur ce point que les femmes doivent commencer à changer d'avis. Si vous êtes vous-même impliqué, ou si un homme que vous connaissez est impliqué dans quelque chose d'immoral ou de coercitif, vous devez rompre cette relation avec cette personne. Ou vous devez lui dire que si elle ne rectifie pas son comportement et ne change pas, si elle n'exerce pas une profession morale et si elle ne gagne pas sa vie correctement, la relation ne peut pas continuer. Vous pouvez continuer à le faire, mais pas avec mon soutien. Combien de personnes sont prêtes à faire cela, même si cela signifie de l'inconfort je ne suis pas là pour vous dire que ça va être une chose facile. Le changement est difficile. Vous pourriez avoir à souffrir. Vous pourriez avoir à passer par des épreuves pour faire ce qui est juste. Ce n'est pas facile. Cela ne veut pas dire que c'est incroyablement complexe. C'est très simple. Arrêtez de faire des choses qui sont violentes envers d'autres personnes et arrêtez de soutenir ces choses, même si cela signifie que vous en bénéficiez. Je ne vais pas faire un travail où l'argent va aller à des pédophiles. Des gens que je sais être des pédophiles. Je me fiche de savoir à quel point cela va rendre ma vie difficile. Je vivrai pauvrement s'il le faut. Je ne vais pas prendre un travail qui va retenir mes revenus et les envoyer à des pédophiles. Des gens que je connais qui violent des petits garçons et des petites filles. Pas avec mon énergie. Désolé, vous n'aurez pas ça. Tuez-moi si vous voulez, mais vous ne l'aurez pas. Tout ce que vous obtiendrez, c'est une livre de ma chair mais vous n'obtiendrez aucune énergie pour vos pratiques dépravées. Jusqu'à ce que les gens fassent ça et soient prêts à penser comme ça et à agir comme ça, qu'ils soient prêts à mourir, ne vous attendez pas à ce que ça change. Ce que vous devez faire, arrêtez de soutenir le système, arrêtez de payer pour le système, arrêtez de soutenir quiconque soutient le système. Cela fonctionne à l'inverse aussi. Les hommes n'ont rien à faire avec les femmes qui veulent quelque chose à voir avec l'État. Ces relations doivent être dissoutes. Vous devez vous éloigner des gens s'ils insistent et continuent de soutenir des manières et des comportements immoraux. C'est une chose difficile à faire. Je ne suis pas intéressé par la formation de relations vraies, dynamiques, interpersonnelles, intimes, avec des gens qui ne sont pas anarchistes. Parce que cette personne n'est pas sur un pied d'égalité en matière de conscience. Donc quoi Je vais soutenir quelqu'un qui continue à soutenir la violence exercée contre moi et les gens que j'aime Non, je ne vais pas tolérer ça. Je comprends que si vous vous réveillez et que vous êtes déjà dans une relation, cela peut être difficile. Je parle de forger de nouvelles relations, en particulier, ou si une femme est mariée à un soldat, mariée à un flic. Ce sont des gens qui sont les créateurs sur le terrain du système d'asservissement, et les femmes doivent arrêter de les soutenir et s'éloigner de ces relations. Et les hommes doivent faire de même quand il s'agit de femmes qui soutiennent cette chose. Les gens ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre comme une solution. Je vous le dis, c'est une des choses qui transformerait radicalement la société si les gens commençaient à le faire. Je veux reculer d'une diapositive ici, non seulement pour lire cette citation, mais je veux aussi dire qui est cette femme. Parole du Bouddha. Bénis sont ceux qui gagnent leur vie sans nuire aux autres. Le concept bouddhiste de la bonne subsistance. La femme à droite est Margaret Gage. Et je dirais même que je dédie l'esprit de cette présentation à Margaret Gage parce qu'elle incarne exactement ce dont je parle ici et ce dont je parlais hier soir. Elle était une femme inauthentique, qui est devenue une femme authentique de son vivant. Elle était l'épouse de Thomas Gage. Thomas Gage était le général anglais qui a mené la principale campagne de guerre militaire contre les révolutionnaires américains pendant la guerre d'indépendance américaine. Elle était sa femme depuis de nombreuses années, originaire du New Jersey. Elle est allée en Angleterre et a eu de nombreux enfants avec ce général, qui a été nommé commandant principal des troupes anglaises en Amérique. Elle est venue ici avec lui et a changé d'avis quand elle a vu l'oppression que les Britanniques faisaient subir aux Américains, là où elle était née. Elle s'est impliquée dans la Révolution américaine en tant qu'espionne, l'une des premières femmes espionnes, et a fourni des renseignements aux révolutionnaires américains sur les mouvements des soldats britanniques, courant d'incroyables risques pour sa sécurité personnelle. Sans elle, de nombreuses batailles n'auraient peut-être pas pris la tournure qu'elles ont prise dans la révolution américaine. C'est probablement l'une des femmes les plus courageuses qui ait jamais existé sur ce continent, si ce n'est la plus courageuse. Et c'est un exemple pour les femmes qui doivent passer par la transformation radicale de la femme inauthentique qui est avec un dominant à la femme authentique qui soutient le vrai rebelle de la liberté. Vous ne pouviez pas demander un meilleur exemple de femme authentique que quelqu'un comme Margaret Gage. Nous devons invoquer et créer l'union sacrée, le mariage sacré entre le masculin sacré et le féminin sacré, le principe féminin sacré de non-agression et le principe masculin sacré d'autodéfense et aussi le mariage en nous du masculin sacré, de l'esprit logique et l'intelligence basée sur le cœur. Donc l'intellect plus l'attention. C'est ce qu'est la véritable intelligence holistique, et ces dynamiques s'entraînent mutuellement. La pensée émotionnelle est un trait féminin. Elle vous amène à vous soucier de ce qui est juste et vrai. Vous devez avoir ce battement de cœur et cette intelligence basée sur le cœur pour vraiment vous soucier profondément de la vérité. Mais la pensée logique et critique est un trait masculin qui vous fait comprendre les choses et vous aide à trouver la solution concernant ce qui est juste et vrai. La femme éveillée, et bien sûr l'homme éveillé, font rebondir ces deux modalités de la conscience. L'une ne peut pas prendre le pas sur l'autre. Vous devez les équilibrer et les amener en plein accord, en unité l'une avec l'autre. C'est l'union sacrée que nous devons mettre en équilibre en nous-mêmes. La maîtrise de soi est le véritable pouvoir. L'union sacrée est l'amour sous la volonté. Un concept télémique. Qu'est-ce que ça signifie Cela signifie que si vous allez employer le principe masculin sacré de la volonté, de l'action juste dans le monde, au-dessus il doit y avoir l'attention. L'amour doit tenir l'enfant qui est l'action juste en train de naître dans le monde. C'est ce que les images religieuses traditionnelles de la Madone et de l'Enfant ont toutes représentées dans l'iconographie chrétienne classique. C'est allégorique. Si vous comprenez le vrai christianisme ésotérique, c'est le soin, le soutien dans ses bras, l'action juste et la naissance de l'action juste dans le monde. Le féminin sacré donne naissance au masculin sacré. C'est une belle allégorie spirituelle. Si elle est bien comprise. Et ensuite, le masculin sacré nourrit et élève le féminin dans la société aussi, par l'action juste et l'exemple, ce qui est ce que la figure du Christ élevant Marie-Madeleine signifie, et ensuite avoir un échange dynamique d'énergie entre eux dans une union sacrée. Probablement, la solution la plus importante que chacun puisse employer est probablement d'être un parent conscient. Soyez des parents conscients pour vos enfants. N'édulcorez pas la vérité à vos enfants. Ils vous jugeront sur vos conneries. Apprenez-leur la vérité dès leur plus jeune âge. N'essayez pas de les protéger de la réalité. Parlez-leur clairement et simplement pour qu'ils puissent comprendre. D'accord ils sont plus résistants que vous ne le pensez. Ils peuvent supporter plus que ce qu'une personne qui a déjà été conditionnée pendant la moitié de sa vie peut supporter. Soyez honnête avec eux. Donnez-leur une bonne alimentation, des repas sains et nutritifs. Faites-les bouger. Donnez-leur une structure. Construisez-les solidement. Ils doivent être des êtres forts. Il ne s'agit pas seulement de les nourrir émotionnellement il faut que ça soit physiquement également. Les émotions doivent bien sûr être là. Mais nous devons construire des personnes fortes qui vont résister activement à ce système immoral. Pas seulement mentalement, psychologiquement et philosophiquement, mais physiquement si nécessaire. Un même incroyable ici. Je ne condamnerai pas mes enfants à un futur sans liberté. C'est ce qui doit être la préoccupation première de chaque parent. J'ai parlé à des parents actuels et leur ai dit qu'ils enlevaient la liberté, non seulement à nous, mais aussi aux générations futures. Et on m'a répondu, tout ce dont je me soucie est de mettre la nourriture sur la table. Je me dis, vous n'aimez pas vos enfants. Je dis ça à la face des parents. Et ensuite, ils me reprochent de leur avoir dit ça, et ils me disent que je n'ai pas le droit de parler parce que je n'ai pas d'enfants. Et ils diront, oh, tu n'as pas pris la responsabilité d'avoir un enfant, donc tu n'es pas qualifié pour dire ça. C'est des conneries. Je le dirai directement à un parent qui dit qu'il n'est pas concerné par la liberté. Vous n'aimez pas vos putains d'enfants. Je les aime plus que vous. Mettre un enfant au monde ne signifie pas nécessairement que vous savez tout ce qui se passe dans le monde et ce qui est le mieux. Je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas eu d'enfant C'est absurde. Nous devons nous occuper des cas des parents comme celui-ci parce qu'ils échouent. Ils ne font pas leur travail. Ils ne prennent pas soin de leurs enfants et ne les élèvent pas. Et c'est à cause de cette diminution du lien familial entre les hommes et les femmes. C'est en grande partie la cause de cette mauvaise dynamique parentale. Je recommande donc vivement les travaux de Lennon Honor sur l'éducation consciente des enfants car il a fait un travail remarquable sur ce sujet et sur bien d'autres. L'éveil du masculin sacré est aussi important que l'éveil du féminin sacré. Et je parle de l'éveil de cette dynamique dans les deux sexes, en particulier chez les femmes. Plus de femmes doivent se rallier à la notion de rébellion légitime. Il y a des choses comme les rébellions physiques légitimes. Ils ne mettent pas une limite là pour rien. Il s'agit de comprendre le courage et le sacrifice qui doit être fait, même si c'est incroyablement inconfortable et désagréable. Si votre femme n'est pas une révolutionnaire, elle vous persuadera d'être un esclave et d'accepter ces conditions d'esclavage de plein gré. C'est pourquoi nous avons besoin de plus de femmes rebelles. Citation d'Annie Oakley. J'aimerais que chaque femme sache manier les armes à feu aussi naturellement qu'elle sait s'occuper des bébés. Et moi donc La résistance est la victoire. La résistance, mesdames et messieurs, c'est la victoire. Ce que nous devons faire en fin de compte, c'est nous réveiller à la manipulation et y résister sur tous les fronts. Les informations concernant cet agenda occulte peuvent être extrêmement difficiles à entendre pour les victimes de cette manipulation. Et je vais vous dire pourquoi. Les femmes sont parmi les plus grandes victimes de cette manipulation. Les néo-féministes pensent que les femmes gagnent du pouvoir grâce à cet agenda, alors qu'il vous a servi, tout comme les hommes de cette société. Cela peut être très difficile à entendre pour les victimes. Mais lorsque vous reconnaîtrez enfin les méthodes et les objectifs de ce programme épi-eugénique, vous vous réveillerez et verrez la programmation, exactement comme lorsque Néo se réveille dans la matrice, et qu'il peut voir le code dans la matrice. C'est alors qu'il acquiert tout le pouvoir dont il a besoin pour se battre, la résistance. Parce que si nous nous battons, nous pouvons perdre. Mais si nous ne nous battons pas, nous avons déjà perdu. Les amis, nous sommes en guerre. Peu importe si vous n'aimez pas les termes combat et résistance, vous êtes en guerre. Des guerres sont menées contre vous maintenant, déjà. Ce n'est pas à venir. Elle est en cours sur vous et vos enfants. C'est ce qui doit être reconnu consciemment et il est temps de se défendre. Quand la conscience est privée de sa liberté, quand les rouages de la société entravent l'artiste, le musicien, le poète, le philosophe, en bref le penseur, il est temps pour l'instinct de rébellion de déclarer l'état de guerre. C'est là que nous en sommes. Et ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas seulement de la guerre des sexes. C'est la guerre spirituelle mondiale qui est en cours sur cette planète. Et oui, nous pouvons gagner. Quelqu'un m'a posé cette question hier soir. Est-ce qu'il y a une chose telle que gagner et perdre Absolument. Ça existe. Oui. Vous n'aimez pas la polarité dure. C'est légitime et réel. Perdre cette guerre, c'est être asservi et avoir fait de cette planète un enfer, ce qui est déjà en train de se produire, si ce n'est déjà fait. Et la gagner, c'est être libre. C'est avoir et exprimer ses droits humains naturels en tant qu'être. C'est accéder à des états de conscience plus élevés. C'est construire des choses que nous pourrions à peine imaginer pouvoir faire. C'est réaliser le véritable potentiel humain. C'est ça gagner. C'est un choix. Le choix entre ce qui va se passer dans cette guerre. C'est à nous de le faire. C'est la bonne nouvelle dans tout cela. Nous changeons nos esprits, nous changeons notre conscience, nous changeons notre comportement. Nous pouvons choisir pour que des meilleurs résultats se produisent et en fait, entre guillemets, gagner. Lorsque simultanément nous choisissons de rester là où nous sommes, dans cet état de conscience bas et de ne pas faire le grand travail, nous allons perdre beaucoup et nous finirons en enfer. Tout est à propos du mot perdu. Dire non. La résistance. C'est l'immunité spirituelle contre l'état d'esprit satanique. Neo a acquis son pouvoir quand il a enfin dit non. C'est quand il s'est réveillé consciemment dans la matrice et qu'il a pu voir tout le code et voir ce qui était vraiment fait. Il a pu voir la vérité telle qu'elle est vraiment quand il a prononcé le mot « non ». C'est l'une de mes citations préférées sur Terre. C'est tiré de la bande dessinée Captain America. Je vais vous donner une brève anecdote. Je sais que je vais dépasser le temps à partie, mais ça vaut la peine. J'étais dans un pub local et je portais le sweat à capuche que j'ai porté juste après avoir terminé mon discours hier soir, lorsque je suis sorti après la fin de la conférence hier soir. Un sweat à capuche noir avec le serpent du Gadsden flag. J'étais assis à l'extérieur de ce pub musical et un type s'est approché de moi et a commencé à me chercher des noises, simplement parce qu'il n'aimait pas l'iconographie américaine originale de la rébellion et de la liberté de ce pays. Un Américain qui s'approche d'un autre Américain et qui commence une embrouille alors que j'étais assis là, ne parlant à aucune âme vivante et m'occupant de mes propres affaires. C'est quoi ce serpent J'ai répondu que c'était le serpent du drapeau de Gadsden. Ne me marchez pas dessus. C'est en fait ce qui a été le premier drapeau américain. Ils l'ont arboré à la bataille de Bunker Hill il a été créé par christopher gadsden de caroline du sud un des miliciens qui a aidé à unir les milices dans la révolution américaine ah ouais je vois c'est une forme de milice et vous les gars vous pensez que vous allez vous battre contre la police dans l'armée et je lui ai répondu que puisqu'il avait demandé si on devait en arriver là et qu'il était dans l'armée ou dans la police je pense que ça dépendrait d'eux je suppose qu'il a pensé que j'étais dans l'armée parce qu'il m'a demandé dans quelle branche je servais. Je lui ai dit que j'étais dans la milice du peuple, que je ne servais aucune branche de l'armée. Je suis juste pour la liberté, c'est tout. Et il a dit, ⁇ Oh, vous êtes quoi Des anarchistes ?⁇ Et j'ai dit que oui, j'étais anarchiste. Je ne crois pas en l'autorité de l'État. Alors, sa petite amie était là et écoutait, et j'ai commencé à expliquer ce que signifiait l'anarchie étymologiquement. Ça vient du grec an, qui signifie absent ou non présent, et du mot grec archon, qui signifie maître ou dirigeant. Quand j'ai expliqué ça, sa copine s'est soudainement retournée et a pris un air très logique. Ouais, ça a beaucoup de sens, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. L'absence de règles veut dire qu'il n'y a pas d'esclavage. Donc, tu es libre. Donc, exactement, c'est ce que ça veut dire. Il était tellement en colère que sa petite amie soit d'accord avec moi quand j'ai expliqué la signification étymologique de l'anarchie, que cette rage a envahi son visage et il m'a dit Si tu n'aimes pas être ici, pourquoi tu ne déménages pas Je suis resté très, très calme. En fait, un de mes amis était assis là et regardait tout ça. Et il savait que je ne voulais pas participer à cette conversation. Le gars était clairement sous-produit, en fait. Rien ne va être prouvé ou résolu ici. On est assis à l'extérieur d'un pub à parler de questions politiques. Vous n'allez pas me convaincre de quelque chose de différent. Je ne vais pas vous convaincre de quelque chose de différent. Je ne sais même pas pourquoi tu t'embêtes avec ça. Et sa petite amie disait ⁇ Ouais, il a raison, allez, on y va. ⁇ Mais il était visiblement intoxiqué d'avoir été à l'intérieur à boire pendant un moment. Et il voulait continuer. Alors il m'a répondu ce truc typique. Si vous n'aimez pas la façon dont on gère les choses ici, pourquoi ne pas déménager Et j'ai dit, je vais répondre à cette question. Je ne vais nulle part. Parce que j'ai raison. C'est pourquoi je ne vais pas quitter l'Amérique. Parce que je suis dans la vérité et la droiture. Je suis dans le vrai quand il s'agit de la réalité morale. C'est la raison pour laquelle je ne vais nulle part. Je connais la différence entre le bien et le mal. Je n'agresse pas les droits des autres et personne ne devrait agresser les miens. Je vis selon ces principes et parce que j'ai raison sur ces choses, ne vous attendez pas à ce que je parte. Au contraire. Vous devriez partir. Vous pouvez appeler ça un discours combatif. Je me fiche de comment vous l'appelez. Vous m'avez demandé, ne vous attendez pas à ce que je reste assis ici comme un petit garçon timide et que je ne vous réponde pas. Et puis sa petite amie l'a éloigné. J'ai immédiatement pensé à cette citation de Captain America. Chaque fois que quelqu'un me dit ça, ça me ramène à mon enfance, lisant ces bandes dessinées. Je me souviens de cette citation, une de mes citations préférées, qu'il n'est jamais prononcée dans toute la bande dessinée. Et voici ce que c'est. Peu importe ce que dit la presse, peu importe ce que disent les politiciens ou les foules, ça n'a pas d'importance si le pays entier décide que quelque chose de mal est quelque chose de bien. Cette nation a été fondée avec un principe au-dessus des autres, l'exigence de défendre ce que nous croyons, quelles que soient les chances et les conséquences. Quand la foule, la presse et le monde entier vous disent de bouger, votre travail est de vous planter comme un arbre près de la rivière de la vérité et de dire au monde entier Non, vous bougez. Et c'est ça l'énergie du mot perdu, que les gens doivent aimer et comprendre au plus profond de leur âme. Le mot non est le mot le plus puissant de l'univers. Quand nous disons non, nous réclamons tous nos droits naturels et nous reprenons notre pouvoir. Et cela signifie que vous devez être prêt à défendre ces droits, pas seulement philosophiquement, mais physiquement si c'est nécessaire. C'est ce que nos ancêtres ont compris. C'est ce que trop d'entre nous ont oublié. Les femmes, en particulier, doivent développer le courage de lâcher prise. L'attachement est une grande pierre d'achoppement spirituel quand il s'agit de savoir comment le vrai féminin sacré en chacun de nous est manipulé. Les gens veulent que les choses soient ordonnées, paisibles et confortables. Il se peut que nous ne soyons pas capables d'arriver là où nous voulons aller, au point où nous en sommes, dans un confort, une paix et un ordre total. Cela peut nécessiter une période de chaos, et nous devons être prêts à l'accepter sans crainte si nous voulons arriver là où nous voulons aller. Le système de contrôle doit disparaître par tous les moyens nécessaires pour le dissoudre. Il doit être démoli complètement. De ce chaos, l'homme authentique et la femme authentique seront les survivants et ils construiront le nouveau monde. Dans une société qui a détruit toute aventure, la seule aventure qui reste est de détruire cette société. Quelques personnes dont vous devriez consulter les informations, et encore une fois, je vous mets en garde, le fait que je cite ces personnes pour consulter leurs informations ne signifie pas que je suis d'accord avec tout ce qu'elles représentent sur le plan politique, idéologique, social ou autre. Je pense simplement qu'ils ont de bonnes informations sur les sujets dont ils parlent. Jim Keys, l'un des plus grands chercheurs que j'ai rencontrés, a écrit le livre Mass Control, Engineering Human Consciousness. Si vous n'avez pas lu ce livre, c'est inacceptable. C'est une lecture indispensable pour comprendre l'ingénierie sociale. John Coleman, qui a écrit le livre L'Institut Tavistock des Relations Humaines, et beaucoup d'autres, est un chercheur historique absolument brillant. Camille Paglia, qui a écrit Sexuel Personae, un discours absolument brillant sur le néo-féminisme. Stéphane Molineux, que vous l'aimiez ou le détestiez, ou que vous ayez des sentiments ambivalents à son égard, il a fait beaucoup de bon travail pour exposer l'agenda du néo féminisme christopher hitchen lui aussi politiquement à gauche mais qui a dit tellement de choses intéressantes sur le politiquement correct et la façon dont il s'agit d'une forme de censure et sur l'importance de maintenir la liberté d'expression à tout moment je pense que les gens trouveront utile de consulter son travail gary allen l'auteur de non dare call it conspiracy un livre qui est épuisé mais vous pouvez aller en ligne et l'obtenir probablement pour des prix encore assez bas j'ai besoin de savoir, à ma levée, combien de personnes ont lu ce livre dans son intégralité. C'est absolument horrible. Je suis horrifié. Non, je suis sérieux. Je ne plaisante même pas. Ce n'est pas drôle. C'est horrifiant. Les gens doivent lire ce livre. C'est important pour ce qui se passe en Amérique en ce moment. Cet homme apparaît comme un prophète dans ce livre, pour ce qu'il a dit aux gens concernant ce qui allait arriver. Et tout cela est en train de se produire, parce qu'ils connaissaient les gens qui dirigeaient activement ce programme, tout comme je connais certains d'entre eux qui dirigent activement ce programme. Ce livre est à lire absolument. Procurez-vous-le et lisez-le en entier. Janice Fiamengo et Christina Of Sommers sont aussi d'assez bonnes analystes quand il s'agit de démonter certaines des idéologies qui sont contenues dans le néo-féminisme. Et cela vaut vraiment la peine de consulter leur travail. En fin de compte, la solution est de faire le grand travail, ce que malheureusement les gens ne veulent pas accepter. Aider à traîner les gens vers la vérité. Que vous l'acceptiez ou non, cela n'a pas d'importance. Tant que nous ne nous engageons pas à faire le grand travail qui consiste à aider à être les transformateurs des autres, en les encourageant à regarder la vérité, ne vous attendez pas à ce que les choses changent. Le véritable grand travail consiste à aider les gens à abandonner les croyances fausses et dogmatiques. Qui ont freiné le progrès de la conscience et empêché la réception de la vérité et de la loi naturelle. Le vrai grand travail est la tâche ardue d'influencer les autres pour qu'ils réalisent qu'en soutenant et en tolérant la légitimité de l'autorité, ils ont en fait soutenu et toléré la légitimité de l'esclavage et qu'ils étaient immoraux pour l'avoir fait. C'est le vrai grand travail ultime que nous devons accomplir. Des petites parties de ce travail comprennent d'exposer les sous-agendas, comme l'agenda néo-féministe ou l'agenda eugénique. Tout cela fait partie du vrai grand travail qui consiste à apporter ce travail aux autres. C'est ce que j'appelle la loi de l'unité dans le pays des zombies. C'est ce que le vrai grand travail est vraiment. Il y a ce bon vieux Rick de The Walking Dead, regardant les zombies en se disant Vous êtes en train de me dire que nous sommes tous un Oui, c'est ça. Nous sommes malheureusement attachés à ceux qui sont inconscients et ignorants. Aussi impopulaire que ça soit à entendre pour beaucoup de gens, nous vivons dans une réalité partagée et nous partageons tous le même destin social. Peut-être pas le même destin au niveau de l'âme, mais le même destin social, parce que la même manifestation partagée va se produire pour tous, qu'ils soient conscients ou inconscients. Si nous voulons changer le monde pour le mieux, sans connaître le chaos et le désastre social à grande échelle, Notre seule grande œuvre est de réveiller les morts vivants. Ne vous y trompez pas. Les zombies doivent être réveillés. Trop de gens pensent que cela n'a pas besoin de se produire. Je vous le dis, nous sommes connectés avec eux. Nous ne sommes pas séparés d'eux. Nous ne sommes pas séparés de l'inconscient. Vous pouvez les appeler les moutons tant que vous voulez, les morts, les non-commencés, les non-initiés, les profanes, les masses, peu importe comment vous les appelez. Vous feriez mieux de vous mettre au travail pour les éveiller parce qu'ils prennent des décisions sur ce qui se passe dans votre vie. Ils affectent votre liberté. Leur ignorance affecte notre liberté à tous. C'est ça le vrai grand travail. C'est de rendre l'obscurité consciente. Et les gens ne sont pas intéressés par ce travail. Ce qui les intéresse, c'est de maintenir leur niveau de confort, de ne pas faire de vagues, de ne pas se disputer avec les gens et de ne pas être détesté par les membres de leur famille et leurs soi-disant amis. Peut-être que c'est ce qui doit arriver. Peut-être que la tension et la division sont ce qui doit arriver quand il s'agit de questions morales. C'est ce que signifient les paroles du Christ dans le Nouveau Testament lorsqu'il dit ⁇ Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais une épée, l'épée de la vérité. ⁇ La déesse René, le féminin profanateur règne actuellement en maître dans notre monde. Mais posez-vous la question, si les femmes, dans leur ensemble, réveillaient le féminin sacré en elles, le principe d'attention, à quel point seraient-elles capables de transformer la conscience globale de l'humanité Et je dirais que la réponse est radicalement. Totalement révolutionnaire. Les femmes sont les nourricières et sont celles qui dispensent les soins traditionnellement dans toute notre société. En fait, elles tiennent le destin de l'humanité entre leurs mains. Vous êtes plus puissantes que vous ne le pensez. Et ils craignent le jour où vous le découvrirez. Nous devons sortir de cette coquille et laisser le lion intérieur s'échapper, perdre toute peur, perdre toute l'appréhension. Qu'est-ce qu'on attend Nous sommes ceux que nous attendons. Nous sommes la réponse. Nous avons besoin de mettre la vérité en avant pour nous-mêmes et les autres. Cela demande du courage. Nous devons entrer dans cette énergie de lion. Quand les femmes endormies se réveillent, les montagnes se déplacent. Il s'agit de l'union sacrée, ce lien familial sacré entre l'homme et la femme, qui est la force centrale de la société humaine. Les occultistes noirs ne veulent pas que cela se manifeste. Mais si nous mettons de côté toutes ces choses qui divisent, et si nous amenons cette union sacrée à se manifester, nous pouvons transformer cette planète d'une prison en un paradis. Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour votre aimable attention. the sea